Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne sport. On a un très beau programme à vous proposer ce soir puisque cette 21e journée met aux prises Strasbourg à Colmar. Ici à la Méno attend plus de 24 000 spectateurs. Le stade va être plein d'ici une demi-heure pour le coup d'envoi. Samuel, c'est un vrai derby. Les deux villes sont distantes de 60 km et on sait qu'il y a pas mal d'antagonisme entre les deux clubs. Mais une rivalité, c'est Strasbourg, le club historique, le club de Colmar qui fait des bonnes saisons depuis quelques temps, mais qui n'est pas passé devant ce club historique de Strasbourg. Et aujourd'hui, Colmar, ils sont pas au mieux. Ils ont envie de faire un truc ici, sur un match médiatisé. Et l'équipe de Strasbourg qui ne peut pas lâcher de points si elle veut recoller et atteindre son objectif final, qui est la montée en Ligue 2. Ouais, c'est vrai que d'habitude, on a toujours tendance à vous proposer les premiers ou deuxièmes du classement qui joue. Là, c'est pas le cas. Ils sont respectivement 6e et 10e, mais on est obligé de montrer cette affiche. Et en plus, cette 21e journée, Nicolas Villas, c'est un petit peu l'affiche des derbies entre ceux de Paris, ceux du Nord, avec Amiens notamment. C'est une grosse 21e journée de championnat. Oui, mais tu viens de le dire, hein, y aura une sacrée ambiance à la Méno ce soir. Plus de 24 000 spectateurs. Match à guichet fermé, tout simplement, pour cette affiche. Et c'est vrai que c'est un peu la journée des derbies, cette 21e journée, puisque demain, sur ma chaîne sport, à 15h, coup d'envoi du match entre le Red Star et le Paris Football Club. Alors, deux équipes qui sont installées sur le podium. Et puis un derby également en Picardie entre Chambly et Amiens. Notez que deux équipes plutôt bien classées, Avranches et Blogne très bien classées même, s'affrontent également. Bourg qui est deuxième ira à Bastia jouer face au CAB. Fréjus affronte Luçon, Dunkerque Épinal, Istres Colomiers, Le Poiret survit face à Marseille Consola. Mais les deux plus belles affiches donc on vient de vous les donner, c'est ce Strasbourg-Colmar et ce Red Star PFC qui aura lieu demain à partir de 15h sur ma chaîne sport. On va faire un petit focus hein, plus précisément sur cet Alsacico, mais d'abord le classement hein, avant cette 21e journée de National. Alors le PFC, vous le savez, hein, confortablement installé en tête, mais derrière c'est assez serré. Bourg qui a 3 points d'avance sur le Red Star et sur Boulogne. Avranches qui est derrière à l'affût à la 5e position. Et puis Strasbourg qui a 5 points de retard donc sur le podium et qui a, vous allez le voir, 3 points d'avance sur son adversaire du soir, à savoir Colmar. Colmar qui, attention, commence à regarder vers le bas puisqu'ils n'ont que 5 points d'avance sur la zone rouge, dans laquelle on retrouve Marseille Consola, le CA Bastia, Istres et Épinal. Et puis justement, on va se plonger plus intensément dans cet Alsacico avec les stats entre ces deux équipes. Hein. Vous venez de le voir à l'instant, cette équipe de Strasbourg qui est 6e avec 28 points, 23 buts marqués, 20 buts encaissés. Pour Colmar, au niveau des stats, c'est assez similaire finalement. 22 buts marqués, 23 buts encaissés. Une moins bonne défense quand même pour les Colmariens qui, on vient de le dire, n'ont que 5 points d'avance sur la zone rouge. L'état de forme de ces deux équipes, alors là c'est totalement opposé. Hein. Une seule défaite sur les 8 derniers matchs de National pour l'équipe de Strasbourg qui compte 3 victoires et 4 nuls au cours de cette série. Par contre pour l'équipe de Colmar, 1 point sur les 5 derniers matchs de prix, un seul succès sur les 9 dernières rencontres de championnat. C'était le 28 novembre dernier contre Épinal. Ça remonte hein, pour les hommes de Damien Haute. A domicile, cette équipe de Strasbourg a la meilleure défense avec 5 buts encaissés seulement. Mais un seul succès sur les 5 derniers matchs, bah, c'était le dernier match d'ailleurs, face au PFC, le leader, c'était pas n'importe qui. Et pour Colmar à l'extérieur, bah paradoxalement, ça va plutôt pas mal. Une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Et au niveau des buteurs, alors vous le voyez, c'est deux équipes qui marquent peu à domicile pour Strasbourg et peu à l'extérieur pour Colmar. Le meilleur buteur de Strasbourg, c'est Ndiaye. Derrière, on trouve Blayac. On va y revenir sur Blayac. C'est le blessé de dernière minute. Il ne sera pas sur la feuille de match ce soir. Marquez, lui, il est parti au PFC. Liénard, lui, il est bien là. Et du côté de Colmar, Diawara, Bourgo, Touré ont mis 4 buts chacun. Et puis derrière, on a Mouklil et Crillon. Crillon qui est un défenseur qui, souvenez-vous, avait mis un doublé lors du match aller. Il a d'ailleurs marqué 3 buts face à l'équipe de Strasbourg dans sa carrière. Allez, on vous le dit, ce match forcément il est un petit peu particulier pour les deux équipes. On va regarder ce qui s'était passé lors du match aller. Beaucoup de suspense, des buts, un exclu, une exclusion plus précisément. Bref, tout ce qui s'est passé condensé en 1 minute 30. Agité en coulisses dans la semaine, le derby alsacien a tenu toutes ses promesses sur le terrain. Premier coup de théâtre à la 24e lorsque Sabot est exclu. Le défenseur touche le ballon mais son tacle sur Mtir est dangereux. Les Strasbourgeois doivent donc évoluer à 10 pendant les 3 quarts restants du match. Et pourtant, ce sont eux qui débloquent la rencontre par Marquez, l'ancien colmarien. 53e minute, 1-0 pour le Racing, la course poursuite peut commencer. La révolte de Colmar naît grâce à l'ouverture de Chéré pour Judicaël Crillon. Le latéral glisse le ballon sous Gauquelin, l'avantage du Racing n'aura duré que 2 minutes. 10 minutes plus tard, le stadium va de nouveau exploser grâce à son nouveau héros, Judicaël Crillon. Avant cette rencontre, le défenseur n'avait inscrit qu'un seul but en plus de 60 matchs de National. L'enchaînement est superbe. À 10, Strasbourg pousse et se découvre. Colmar en profite, centre Demtir, Sikimic est trop court et Kébé propulse le cuir sous la barre. 79e, Colmar à 11 contre 10, mène 3 buts à 1. On pense alors que le plus dur est fait.
83e minute à présent, Varsovie juge mal la trajectoire de ce long ballon. Marquez reprend de voler sur la barre, mais Baoken a suivi et marque dans une défense dépassée. L'ancien Niçois ramène le score à 3-2. À 15 secondes de la fin du temps réglementaire, nouvelle illustration de la fébrilité de la défense verte. Crillon est battu par Alassane Ndiaye qui catapulte le ballon sous la barre de Mensah. 3 partout, score final. Un point arraché avec caractère par 10 Strasbourgeois, mais qui ne contente pas du tout l'un des acteurs majeurs de ce derby, Judicaël Crillon. Toi, personnellement, tu avais brillé parce que tu avais marqué un doublé. Quel souvenir tu as de cette rencontre ? Le souvenir, c'est déjà, ouais, on gagnait 3-1. Ensuite, j'ai marqué mes deux buts et c'est surtout ça qui m'avait marqué. Et après, voilà, on a fait le petit match nul à la fin. Un petit moment où, un peu déçu sur le moment, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a de 3-1, 3-2, 3-3. Forcément, c'était la décision parce que on a beau dire, on s'en met de lui sur le feu, c'est un match qui est un petit peu différent dans la saison, celui-là. Oui, bien sûr, c'est le derby. Hein, c'est le derby. Les Alsaciens attendent tout ça. Et voilà, là, aujourd'hui, on y est. Et on attend beaucoup de spectateurs, 25 000. Donc, c'est énorme. Et ouais, c'est un beau spectacle pour l'Alsace aujourd'hui. Et puis, sur un plan personnel, c'est des matchs qui te réussissent bien. Souvent, on se souvient que tu avais été buteur l'an dernier. Tu as été buteur au match aller. C'est quoi la recette pour que tu marques à chaque fois face à Strasbourg ? Sincèrement, je peux pas vous dire. Ouais, j'ai la chance avec moi et j'espère qu'elle y sera encore aujourd'hui. Et surtout, ramener la victoire aujourd'hui et surtout de pas perdre. Est-ce qu'en tant que joueur, c'est un match que l'on prépare différemment ? Est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire ? Bien sûr, il y a une surmotivation avec le public aujourd'hui. Donc c'est ça surtout qui me motive à 4000%. Est-ce qu'il y a une vraie rivalité entre Colmar et Strasbourg ? Est-ce que tu le sens, par exemple, par rapport au public dans la semaine qui précède l'entraînement ? Est-ce que tu sens que ça monte tranquillement en puissance, que les supporters vous demandent d'être peut-être plus exigeants sur ce match ? Oui, bien sûr, ils viennent nous voir au stade. Comme je vous ai dit, hein, c'est le match de l'année. Ils viennent nous voir, on voit ça sur les réseaux sociaux aussi. Donc oui, on le voit que ça monte petit à petit avec les supporters. Est-ce que c'est un match auquel on prend du plaisir à jouer ou est-ce que souvent ce sont des matchs fermés ? Est-ce qu'on n'a pas un peu plus de mal à se libérer par rapport à l'habitude du fait de l'enjeu et ce soir notamment avec plus de 20 000 spectateurs qui sont attendus ? Non, faut pas l'avoir, on ne l'a pas. Il faut jouer notre football et voilà, il faut pas se resserrer sur nous-mêmes, il faut pas se fermer. Et, non, il faut jouer libérément et justement c'est comme ça que ça marche. On sent une équipe aussi qui est peut-être en perte de confiance, l'équipe de Colmar qui avait bien débuté le championnat, qui là marque le pas depuis une dizaine de matchs. Comment est-ce qu'on le vit en tant que joueur ? Un peu mal, c'est sûr qu'en ce moment les résultats ne sont pas en notre faveur. Donc là on a remis une couche physiquement et on espère que dans les prochains matchs et dès aujourd'hui ça va rapporter, ça va récolter ses fruits. Merci beaucoup Judicaël. On va poursuivre nous dans cet avant-match avec Samuel Lobé qui discutait il y a quelques instants de cela avec Damien Hoth, l'entraîneur de cette équipe de Colmar. Damien, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Bonsoir Sam. Je voulais savoir pour ce match qui est un derby, un match quand même médiatisé, ça a été plus facile à préparer malgré la période que vous vivez actuellement au niveau des résultats ? Alors on a tout à fait oublié le contexte. Alors c'est sûr que quand on se retrouve au centre de cette arène, ça remue un peu. Mais durant toute la semaine de préparation, on n'a pas du tout parlé du Racing. On a surtout parlé de nos problèmes actuels. Et je pense que c'est beaucoup plus important de parler de ça que de parler de cet événement soir qui va certainement réjouir un nombreux public. Mais actuellement, nous, on a bien d'autres soucis à régler que de venir au centre de cette arène. Et au niveau de ton groupe, on sait que quand il y a des résultats qui sont un peu négatifs, l'ambiance peut quelquefois se dégrader entre les joueurs. Comment est l'ambiance entre les joueurs ? Ils continuent à être solidaires, à être ensemble, à être tous attirés dans le même sens ? Écoutez, j'ai perdu un peu de temps à essayer de chercher et à essayer de trouver, je l'espère, les raisons qui nous ont fait perdre tous ces matchs-là et les raisons de notre défaillance. Alors j'ai cherché au niveau tactique. Je me suis bien remis en question en pensant que je faisais certainement très mal les choses. J'ai bien évidemment essayé de penser que c'était peut-être la vie du groupe qui n'allait plus. Mais là, les garçons m'ont pleinement rassuré. Donc j'ai regardé dans d'autres voies et des domaines dans lesquels j'avais peut-être un peu fermé les yeux, dans lesquels un domaine en particulier dans lequel justement je ne m'étais pas suffisamment investi. Et maintenant, finalement, on a ce qu'on mérite. On est une équipe qui est tout à fait défaillante. Oh, ça c'est dur, mais dans quel domaine toi tu penses que t'as pas forcément bien fait ou que ça, t'as il, pas il reste que deux domaines dans la préparation d'une équipe. Quand tout le domaine mental et tactique, il te reste le domaine technique, ouais. Et physique. Voilà, donc d'accord. Je pense que j'ai suffisamment répondu pour pas être plus précis. D'accord. Je pense qu'actuellement on n'a pas les jambes qui nous permettent de jouer comme on veut. Ouais. D'accord, mais malgré tout. Ce soir, ce serait le bon moment peut-être pour marquer un grand coup et pour repartir sur du positif.
Moi, ce que j'aimerais, c'est pas marquer un coup. Ce que j'aimerais, c'est que mon groupe reste, mais ça je l'espère et je le pense, reste solidaire. Par contre, j'espère que dans quelques semaines, on arrivera à retrouver les vertus et les valeurs d'un CR Colmar conquérant, parce qu'actuellement ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est pas marquer le coup ce soir qui m'intéresse, c'est simplement essayer de continuer à travailler pour retrouver ce qu'a été Colmar avant et pour faire une bonne fin de saison. T'es confiant quand même, puisque t'as dû rectifier les choses par rapport à ce que tu voyais qui n'allait pas. Confiant, je ne sais pas, il n'y a que la vérité du terrain. Après on cherche, on essaye de trouver. On essaye d'identifier, on a je pense identifié, maintenant après ça reste encore du travail, est-ce qu'on les fait bien travailler ou pas. En tout cas on porte toute la responsabilité de nos mauvais résultats actuels, moi-même et mon staff, ça c'est une évidence. On jette pas les joueurs et on leur dit pas que c'est de leur faute, on dit simplement à nous de continuer à travailler et à inverser la tendance qui est forcément très négative en ce moment. Merci pour ta franchise. Merci. Nous sommes rentrés de plein pied dans ce classico. Les deux présidents m'ont rejoint, Marc Keller, le président de Strasbourg, et Christophe Grischka, le président de Colmar. Première chose, Christophe, déjà c'est une surprise. Vous êtes là, vous aviez annoncé dans la semaine que vous ne seriez peut-être pas là. Vous êtes présent. Je suis là et bien content d'être là. Hein. Je pense qu'il faut arrêter toutes ces histoires de conflits entre nos deux clubs. Franchement, je suis très heureux d'être là ce soir avec Marc. On a discuté cette semaine, il n'y a aucun problème entre nous. C'est la fête du football aujourd'hui en Alsace, donc il ne faut pas gâcher ça. Ouais, c'est vrai, Marc, vous avez insisté pour qu'il vienne. On sait que vous l'avez personnellement eu au téléphone. Vous n'imaginiez pas que le président de Colmar ne puisse pas être là ce soir. Non, j'estimais simplement que c'est un derby, c'est la fête du football alsacien. Si on en est là aussi, c'est parce que Colmar travaille bien depuis quelques années. Et évidemment, Christophe devait être là parce qu'on a 25 000 personnes, on jouera à guichet fermé, c'est jamais arrivé en national. J'espère que ce sera une belle fête, évidemment. J'espère qu'on gagnera, même si Colmar jouera bien sûr un match important pour eux aussi, mais c'est avant tout la belle fête du football alsacien. Ouais, c'est peut-être la plus belle réussite de ce derby. Il n'y a pas eu de problème dehors, il n'y a pas de souci de sécurité. Et il y a ce record qui va être battu ce soir avec 25 000 spectateurs pour un match de national. J'imagine que c'est une fierté en tant que président. Oui, je pense simplement que l'Alsace est une terre de foot, évidemment Strasbourg par son histoire aussi, mais ça prouve que les gens sont en manque du haut niveau. On se bat pour revenir en Ligue 2, comme Colmar un jour espère y aller. À nous de bien travailler pour y arriver. Il y a aussi eu beaucoup d'engouement du côté de Colmar. Les gens ont été présents cette semaine. C'est un match auquel ils ont envie d'assister aussi. C'est clair. Hein. Il y avait un match ici il y a deux semaines contre le leader. Il y avait 8000 personnes. Aujourd'hui, il y en a 25 000. Colmar n'est pas étranger à ça. Donc on voit qu'il y a un engouement autour de notre club aujourd'hui. C'est clair. En revanche, il y a une dynamique qui est un petit peu différente des deux côtés. En ce moment, ça ne va pas très fort pour Colmar. C'est clair que nous, on est dans une spirale plutôt négative. Strasbourg est en confiance après sa victoire contre Paris. Ça ne va pas être évident pour nous, mais sur un match, tout est possible. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression, Marc, que cette équipe de Strasbourg, en 2015, elle est transfigurée. En tout cas, il y a quelque chose qui a changé. Et de nouveau, vous êtes peut-être, vous regardez peut-être un petit peu du côté du haut du classement maintenant. Vous parlez du PFC. Malheureusement, à Épinal, on a fait deux partout alors qu'on menait 2-0. On est en déficit de points. Le rythme pour être dans les trois premiers est très difficile à suivre. On est obligé de faire une série. Et vous savez, le football, tout est remis en cause avec un ou deux matchs gagnés. On a besoin de faire une série pour revenir dans le coup. En tout cas, vous aimez les gros matchs hein, après ce match face au PFC. La grosse affiche ce soir, c'est peut-être une petite motivation supplémentaire. Mais écoutez, ma chaîne Sport est content, Colmar est content, Strasbourg est content. J'espère qu'on verra un beau match. Je trouve que c'est une promotion magnifique pour le football français et pour le championnat national qui n'est pas connu et qui est très difficile. En tout cas, pour Colmar, vous serez content, j'imagine, si jamais au bout, il y a la victoire. Parce qu'on le disait, en ce moment, c'est difficile. Bah nous, il faut arrêter l'hémorragie. Je signerai déjà pour un match nul. Un match nul, pour vous, ce serait satisfaisant, Marc ? À votre avis ? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a de l'ambition qui renaît. Et tout à l'heure, c'est Jacky Duguay-Pérou, on l'entendra après avec Samuel Lobé, qui disait que, de toute façon, clairement, le Strasbourg vise les trois premières places. C'est ce qu'on espère, on va le faire un jour. Est-ce qu'on le fera cette année, on ne sait pas. Mais pour le faire, il faut pratiquement gagner 10 matchs sur 15 parce qu'on a pris du retard. Donc c'est un match important parce que c'est un derby, mais surtout important si on veut revenir dans le coup. Et quant à vous, Christophe, vous le disiez dans la presse cette semaine, vous allez commencer à regarder de l'autre côté, dans le rétroviseur, alors que vous étiez bien parti, que vous avez un effectif peut-être pour jouer le haut de tableau en tout cas. On le pensait en tout cas, on a fait un super début de saison et puis là, on n'avance plus, on a eu le même problème les deux dernières saisons. Il va falloir remédier à ça. L'année prochaine, on va travailler peut-être différemment pour essayer d'éviter ce trou. Un dernier petit mot aussi sur l'absence ce soir de Jérémy Blayac. On a vu que lors de ces deux matchs qu'il a joué, il avait été décisif avec trois buts. Ce soir, il ne sera pas là. C'est un handicap, mais on jouera à 11, hein, je vous rassure.
C'est un très bon joueur pour nous qui a beaucoup d'expérience, mais il faut faire avec. Il s'est blessé à l'entraînement, on avait un petit doute et il ne jouera pas. Messieurs, une petite poignée de main pour montrer qu'il n'y a pas de rivalité en Alsace. Voilà, il n'y a pas de souci. Et nous, on va écouter ce que disait justement Jackie Dugu-Pérou tout à l'heure au micro de Samuel Lobé. Bah, déjà, je voulais te demander le fait d'avoir pris un attaquant en tant que joker. Est-ce que ça a changé ta façon d'aborder les matchs et que ça a donné une plus grande confiance au reste du groupe? On cherchait, au vu de la première partie de saison, à renforcer notre attaque sur le plan offensif, en cherchant un joueur expérimenté qui a déjà un passé certain en Ligue 2, qui avait même joué en Ligue 1. Donc on a eu la chance de pouvoir se faire prêter Jérémy Blayac et c'était une de mes priorités sur les 4 ou 5 joueurs qu'on suivait. Voilà, je pense que ça a posé de problème à personne à partir du moment où il démontre et à l'entraînement et au cours des matchs qu'il nous a amené jusqu'à présent dans les deux matchs qu'il a joué, ce qu'on attendait de lui. Donc ça a posé aucun problème au groupe. D'accord. Ce match, il est important parce que c'est quand même un derby, mais en cas de victoire, ça peut vous permettre de rattraper, je dirais, le bon wagon parce que vous avez eu quelques occasions sur la première partie. Vous n'avez pas forcément saisi. Vous avez plus d'atouts aujourd'hui? Ouais, on a grillé pratiquement tous nos jokers et si on veut espérer finir sur le podium, ça passe par un sans faute, ça sera difficile jusqu'à la fin, mais tout du moins retrouver le goût de la victoire, ce qu'on a fait contre PFC dernièrement ici, et que la méno soit imprenable. Et ce soir, j'espère que ça va être le cas parce qu'elle va être pleine. Et donc l'objectif, c'est le podium, et le podium, ça passe par 3 points ce soir. Et je veux dire, la préparation de ce match, on a tendance à le dire, elle est plus facile que pour les autres matchs, comme va avoir beaucoup de monde pour un match national. C'est un match très médiatisé. Tu as eu un travail plus facile cette semaine? Ouais, je leur ai simplement dit qu'ils m'ont ramené 20 ans en arrière quand j'ai coaché contre la demi-finale contre Metz ici et 3 jours après infligé la première victoire, la première défaite à Nantes. Ça fait pratiquement 20 ans, donc ça serait bien que 20 ans après, ils me fassent un grand plaisir. C'est pas souvent qu'on voit la méno pleine, en plus dans un match de national. Et je leur ai tout simplement dit que jouer un match comme ça, c'est tout ce que rêve un joueur de foot. C'est jouer devant un maximum de public. À eux de prendre leur pied. Et je leur ai aussi demandé, à travers l'importance de ce match, aussi de prendre du plaisir. Tu les as sentis comment? Insouciants, âtre d'en découdre ou sur la lancée de ce que vous faites depuis quelques temps? Je crois que c'est une équipe. Notre problème, c'est qu'on est un petit peu. On a pas mal d'instabilité. Une fois, c'est bien, une fois, c'est un peu moins bien. Tout simplement, j'espère qu'on va être rigoureux derrière parce que je suis sûr que devant, on va se créer des occasions. D'accord, merci beaucoup, Jackie. De rien. Et voilà, Sam, c'était avec Jackie Dugué-Pérou. Alors qu'il nous a fait courir, Jackie, c'est pas bien, jusqu'au dernier moment. Alors, faut dire, à sa décharge quand même, il y a un absent de dernière minute. On va découvrir les compositions d'équipe dans quelques instants. Il était très heureux, il vient de te le dire, d'avoir recruté Jérémy Blayac cet hiver. 3 buts en 2 matchs, il a mis un doublé face au PFC, le leader, ici même à la Méno. Et il est blessé. Alors, vous savez qu'il a eu un gros problème au bras, ou pas d'ailleurs, Jérémy Blayac. Il a été opéré 8 fois au bras gauche, et là, il est encore touché au bras gauche. Ouais, c'est inquiétant parce que c'est une blessure qui revient. On ne sait pas jusqu'à quand va durer son indisponibilité, donc je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques à cause de ça aussi, et ils ont bien raison. Et du coup, Jérémy Blayac qui va être dans les tribunes. Alors un mot quand même, hein. Vous l'entendez derrière nous, ça commence à monter, 24 000 spectateurs d'attendus pour un match de National. Le record, c'était l'année dernière pour le même match, il y avait eu 24 043 spectateurs. On aura les chiffres officiels tout à l'heure. Toi, tu as joué en Ligue 1, tu as joué en Ligue 2, tu as déjà vu des ambiances comme ça, franchement, souvent dans ta carrière? En Ligue 1, c'est sûr qu'il y a des ambiances qui sont plus importantes que celles-là, mais le fait important, c'est qu'on se rend compte, comme le dit Marc Keller et comme l'a dit le président Colmar, l'Alsace est une terre de football. Strasbourg est un grand club, un club historique qui mérite de retrouver le haut niveau, parce que c'est vrai qu'il y a une belle ambiance qui ne dépareillerait pas en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et regarde le tifo, il l'avait promis, il l'avait annoncé sur les réseaux sociaux, les supporters de Strasbourg, et l'un des copes, le KCB, le bien nommé KCB, voilà, qui fait un tifo qui n'a pas l'air très sympa, hein, cela dit d'ailleurs. Alors j'ai pas vu. Va falloir zapper les mecs. J'ai pas vu de quoi a été fait ce tifo. Non, je pense que c'est la cathédrale tout simplement. Au départ, on a eu peur, mais. Ah. Tout va bien. Voilà, beau tifo fait par les supporters de l'équipe de Strasbourg du Racing. On a flippé, c'est ça le direct. Hein. Ouais. En tout cas, voilà, belle affiche, hein. Tu viens de le dire, l'Alsace qui est une vraie terre de football, oui. Sam. Alors, un mot quand même sur les deux équipes également. Seulement 3 points les séparent. C'est curieux, Colmar avait bien démarré la saison et là, ils sont obligés de regarder vers le bas. Il est très inquiet, Damien Haute, quand même. Hein. Il est inquiet parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça peut vous amener, une série négative. Donc il a envie que ça cesse, il a envie que ça s'arrête. Maintenant aujourd'hui, est-ce qu'ils vont être sublimés ou est-ce qu'ils vont être écrasés par l'événement, ces joueurs?
il ne sait pas du tout, parce qu'on sait que Strasbourg, eux, par contre, ils sont dans une phase très, dans une très bonne phase. Alors on va trouver Laurent Dupuy, qui est avec un ancien de Colmar, et il est actuellement à Strasbourg, c'est Jérémy Grimm. Hein. Ouais, forcément un match un peu particulier pour toi Jérémy, tu as joué dans les deux camps, tu connais particulièrement bien cette équipe de Colmar, mais ce soir tu vas défendre vaillamment les couleurs de Strasbourg. Ouais, comme dit, premièrement c'est mon ancien club, deuxièmement en tant qu'Alsacien, de voir à nouveau la Méno vibrer comme ça, ça donne des frissons, j'en ai déjà là. Donc voilà, que du plaisir ce soir. Ouais, puis une petite motivation supplémentaire, c'est vrai que jouer devant tous ces spectateurs, j'imagine que c'est encore un peu plus plaisant. Voilà, je me répète, c'est vrai que de revoir à la Méno ce stade mythique rempli comme ça, ça donne que des frissons. Merci beaucoup Jérémy. On va peut-être aussi un petit mot avec Abdoulaye Diawara, le capitaine de cette équipe de Colmar. Ah, juste un petit mot, est-ce qu'on est impatient de jouer un match comme ça dans une enceinte comme celle-ci ce soir? C'est vrai que c'est particulier parce que déjà c'est un derby. Après, il y a beaucoup de monde au stade, donc c'est sûr que c'est plaisant. Ça change de d'habitude. D'habitude, on ne joue pas devant autant de monde. Maintenant, ça reste un match de championnat national. Il y a 3 points au bout. Donc on va essayer de le maximum pour prendre les 3 points tout simplement. C'est peut-être le bon match pour se relancer et relancer la machine. Exactement, c'est le bon match. Exactement. Ah, ils sont concentrés hein, les deux capitaines, et Colmar qui va jouer en orange hein, ce soir. Tiens, Abdoulaye Diawara qui est un ancien du PFC, vous savez que demain il y a un autre derby qui aura lieu sur ma chaîne sport entre le PFC le leader et le Red Star qui est troisième. Alors c'est un match un peu spécial pour un joueur qui vient de quitter Strasbourg pour aller au PFC, c'est Fred Marquez qui a joué dans les deux clubs également, et je sais qu'il est devant son écran aussi pour regarder ce match. D'ailleurs, les deux seuls joueurs qui ont joué les derniers derbies avec les deux maillots depuis que les deux clubs sont en national, c'est-à-dire 2010, c'est Jérémy Grimm qu'on vient d'entendre et Frédéric Marquez justement. Oui, on le salue. Allez, grosse ambiance à la Méno pour cet Alsacico, hein, ce derby alsacien entre le Racing Club de Strasbourg Alsace et les Sports Réunis de Colmar, les SRC. Et Ernest Seca hein, qui est capitaine cette saison du Racing, la traditionnelle poignée de main. Et vous allez découvrir d'ici quelques instants les 11 des deux équipes avec pas mal de surprises du côté de Strasbourg. Là voici tiens la composition de Jackie Duguay-Perrault. On vous le disait, Jérémy Blayac est absent de dernière minute. On va retrouver Aguémon, Liénard, Ndiaye pour animer l'attaque. Sabot qui va jouer à gauche. Et puis alors Chrétien qui est arrivé durant le mercato d'hiver, alors qu'il va jouer à droite. Hein. C'est Ndour qui jouera à gauche. D'accord. Et puis Sikimic en défense centrale avec Ernest Seca. Hein. Oui, ça c'est du classique quand même. C'est des joueurs qu'on a souvent vu évoluer avec le Racing depuis le début de la saison. Maintenant, il va leur manquer Blayac, qui avait pris une part importante dans les derniers succès de cette équipe. Mais comme l'a dit justement Marc Heller, ils vont quand même jouer à 11 et ils ont des atouts à faire valoir. Alors, à noter quand même que Stanislas Oliveira, qui avait fait un très bon match hein, il y a 15 jours face au PFC. Alors, il revenait hein, après 6 mois d'absence. Il a été laissé sur le banc par Jackie Duguay-Perrault. Et c'est Ndoye qui revient de suspension, qui est titularisé par Jackie Duguay-Perrault. Et à noter que Donzelo également est blessé. Binder aussi. Et puis, autre retour important, celui de Sikimic en défense centrale. Salmi avait fait le boulot jusqu'ici, mais le Serbe est titulaire. Le 11 de Damien Hoth. Alors, il avait hésité hein, longuement. Il ne savait pas s'il allait aligner la même défense que face au Poiré, finalement c'est RL et Meyer qui sont là, avec Laïfa qui est titulaire, c'est pas arrivé souvent, il met une équipe très joueuse quand même Damien Hoth. Oui, trois joueurs, bon, Diawara qui va être la sécurité, mais deux joueurs qui aiment avoir le ballon, qui aiment se projeter vers l'avant, on pense à Laïfa et Chéré, et Bourgo qui est un joueur aussi qui aime organiser, un beau joueur de ballon, donc c'est pas une équipe pour casser le jeu, c'est pas une équipe pour défendre, c'est une équipe qui va défendre crânement ses chances et qui va essayer de poser des problèmes à cette équipe de Strasbourg, donc on peut voir... Allez, je vais me lancer quelques buts ce soir parce que c'est deux équipes joueuses et qui ont envie de marquer. Alors, j'ai pas envie de casser ton délire. On a vu les stats tout à l'heure. Alors, tu sais que les stats, elles sont faites pour s'arrêter. Mais Strasbourg, c'est la meilleure défense à domicile et Colmar marque peu à l'extérieur aussi. Hein. Ouais, mais on est dans un derby. Donc, c'est un contexte totalement différent. Il y a 24 000 personnes dans les tribunes. Donc voilà, le match peut partir un peu dans tous les sens et être très enflammé. On peut voir beaucoup de buts, ce qu'on verrait pas dans un autre match. L'arbitre de ce match, c'est monsieur Johan Hamel, jeune arbitre de 34 ans qui sera assisté de Maxime Allard et de Michel Dolma-Dijan. Et le voilà, Jackie Duguay-Perrault, une gloire hein, de ce club. Et c'est vrai qu'on le disait, hein, autant Colmar avait fait un super début de saison et ils sont en train de s'effondrer alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. C'est ce que disait tout à l'heure Christophe Grischka, le président colmarien, au micro de Laurent Dupuy. Pour Strasbourg, c'est presque l'inverse. On ne les attendait pas peut-être jouer les premiers rôles et voilà qu'ils reviennent à 5 points du podium. Hein. En début de saison, on s'attendait quand même à ce qu'ils soient vers le haut. Ils ont un peu décroché de ce haut de tableau. Ils y sont revenus, on ne va pas dire miraculeusement, mais bon, les circonstances ont fait que. Et là, ils ont vraiment envie de revenir dans la course à la montée.
Et il est lancé ce derby entre le Strasbourg et Colmar, le derby alsacien. 3 points seulement séparent ces deux équipes. Colmar est à 5 points de la zone rouge. Le Racing est à 5 points du podium. Et première intervention d'Ernest Seka, le défenseur strasbourgeois. Allez, avec un premier duel là, remporté par Meyer. Et coup de sifflet de Johan Hamel. Et coup franc que va frapper Milovan Sikimic, lui qui revient de blessure après une fracture au côte, le Serbe. Ouais, c'est surprenant parce que d'habitude c'est lui qui va réceptionner les ballons, alors peut-être que sa fracture a fait que... Ouais, déviation de la tête dans la surface de réparation fragile. Et attention, et le drapeau s'est levé. Oula, oula, l'engagement. Le drapeau s'est levé, c'était Lina, hein, qui est allé au contact de Fedrigo. Alors à noter, on l'a pas souligné, Fedrigo qui est titulaire dans les buts puisque Mensa, l'international togolais, eh bien est blessé à la clavicule. Et ça c'est un coup dur, un autre pour Damien Hott, hein, également. Hein. Bah oui, parce que c'est quand même important d'avoir son gardien titulaire présent qui rassure sa défense. Et là il est obligé encore de changer. Et puis autre absent, hein, également, Diakota qui est suspendu. Attention à cette offensive pour le Racing. Oh, et ça passe à côté. La première grosse opportunité, elle est pour Strasbourg dans cette rencontre. Et c'est Liénard, une nouvelle fois, qui s'est présenté face à Fedrigo et qui n'a pas réussi à cadrer. Hein. Attends, c'est Liénard ou c'est Sagbo qui était là? Ah, c'est Sabo. Ouais, c'est Sabo, ouais, c'est bien Sabo. Lui. Quel raté, il s'est précipité alors qu'il pouvait... Ah, ça se voit que c'est pas un attaquant parce qu'il devait jouer le premier poteau. Il a essayé de croiser, mais il n'était pas forcément bien placé. Ouais, Jean-Philippe Sabo, qui avait été l'un des héros malheureux du match aller, il avait été exclu. Match spectaculaire à l'aller, tu le disais, tu prédisais des buts pour cette rencontre. Il y avait eu 3-3 hein, au match aller entre les deux équipes. Hein. Ouais. Et là on voit, il y a énormément d'engagement, énormément de monde au milieu. Ouais, il est passé à Guémont, l'accélération d'Aguémont, intervention de Chéri, il revient à la faute, Johan Hamel. L'ancien de la CBB, Yannick Aguémont. L'homme qui avait été couvé par François Gilles à la CBB. Et on le voit, il accélère là. Il passe entre Diawara et Chéré. Par Gilles Bibé même d'ailleurs. Allez, un nouveau coup franc à venir pour cette équipe de Strasbourg. C'est pour Dimitri Liénard. Et les bons joueurs de tête sont montés forcément et Monsieur Hamel qui est déjà en train de faire des remontrances dans la surface de réparation. Liénard qui s'élance, il est bien frappé ce coup franc et très difficilement dégagé par la défense colmarienne. Coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, de suite, hein, mais c'était encore bien tiré par Liénard. L'importance hein, d'avoir un bon tireur de coup de pied arrêté. Alors je sais pas trop ce qu'il a sifflé l'arbitre. Et puis vous le savez, notre homme de terrain, c'est Laurent Dupluis. Laurent, il fait moins froid que la semaine dernière à Charletti hein, pour le match du PFC. Hein. Oui, je vous confirme que pour l'instant, les températures sont plutôt acceptables. Il fait 4 degrés, donc il n'y a pas de vent. Donc ça sera beaucoup plus acceptable. En revanche, la pelouse, elle est comment? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Puisque tu parles des conditions, la pelouse, elle est quand même très, très grasse. Et à mon avis, à la fin du match, ça ne sera pas forcément très belle à voir. Ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas en très, très bon état, hein, cette pelouse de la Méno. Allez, le ballon de Crillon. Allez, ballon perdu par Touré. Ça va revenir dans les pieds d'Alexandre Oukidja. Allez, Rel qui est pris dans les airs là par Ndiaye. Allez, Diawara à la lutte. Allez, il signale rien, l'arbitre, il était juste devant. Et regardez comment ils essaient très vite de récupérer le ballon très haut, les Strasbourgeois, ils ont raison. Allez, Grimm, le décalage pour Liénard. Il va se présenter face à Crillon, intervention de Chéré. Ouais, qui est bienvenu aider. Hein, Crillon, Chéré, ils ont défendu à deux sur ce côté. Joueur très élégant, hein, très fin également, Chéré. Ah oui, c'est un bon joueur de ballon. Hein, mais défensivement, peut-être qu'il risque d'avoir du mal à récupérer ce ballon, justement. Allez, de nouveau Liénard. Et ballon encore dégagé par la défense colmarienne. Allez, à Guémont. Allez, dégagement d'Erel, cette fois-ci, directement en touche. Ouais, avec des... Joueurs de Colmar hein, qui défendent, qui sont obligés de défendre. Ils sont peut-être pas venus pour défendre, mais ils sont obligés. Ouais, Guémont qui avait réussi à se retourner. Ouais, Crillon qui est en difficulté là. Et ils ont du mal, hein, les Colmariens, depuis le début du match. Ouais, parce qu'il y a une grosse pression. Hein, Strasbourgeois, ils sont nombreux dans le camp de Colmar, les Strasbourgeois. Ouais, Chrétien
qui était monté là pour essayer de créer le surnombre. Ça, c'est l'un des gros coups de l'hiver également, hein. Michael Chrétien, ancien joueur de Nancy, hein, qu'on connaît, international marocain. Ouais, un joueur d'expérience, hein, qui a joué en Ligue 1, qui a été bon en Ligue 1, que moi, personnellement, j'avais perdu de vue ces dernières années. Il était parti en Turquie, au Bursaspor. Voilà, mais... voilà, on va la presser. Allez, Seka, la montée de Seka, il n'y a pas de hors-jeu. Ndiaye qui va essayer de centrer, super retour défensif là. Derel qui va concéder le premier corner du match. Il est pour le Racing. Ouais, bien joué de la part de RL, regardez qui a attendu le bon moment pour intervenir. En tout cas, ça rappelle un petit peu le match face au PFC dans l'intention et la détermination de Strasbourgeois. C'est vrai que c'est intense, hein, après 5 minutes de jeu. Alassane Ndiaye, hein, qui est titulaire, hein, à l'attaque en l'absence de Blaek, qui est quand même le meilleur buteur de Strasbourg, hein, cette saison toujours. Hein. Il est bien frappé ce corner, hein, et bon dégagement de Fedrigo. Ouais, bien joué, bien sorti. Et le ballon qui revient dans la surface, Seka. Dégagement de Diawara. Et c'est l'autre Diawara qui est à l'attaque, l'ancien de Chambly. Ouais, mais qui est battu, hein, qui est battu dans l'attaque de balle, ouais, par Sabot. Allez, coup franc en faveur de Colmar cette fois-ci. Long ballon colmarien, c'est Kimmich qui s'impose dans les airs avec Grimm. Voilà, il y a une offensive à venir peut-être là pour Colmar. Voilà, l'intervention virile là de Ndour. Ouais, elle était virile et il a obtenu le contre justement. Elle a dû le remporter, hein, par le joueur prêté par le FC Metz face à Emmanuel Bourgault. C'était un des premiers ballons de l'AIFA, hein, qu'on n'a pas encore beaucoup vu jusqu'à présent, parce qu'ils sont obligés de défendre justement les joueurs de Colmar. Ouais, lui qui est arrivé un peu plus tardivement que les autres également, il a signé en novembre, hein, Nouil Haïfa, qui était à l'USMA à Alger, hein, en Algérie. C'est un joueur du PFC, du Gazélec, de Créteil également. Un joueur que Damien Haute suivait lorsqu'il était à Créteil justement encore. Hein. Ah, et les Colmariens, hein, qui vont essayer de partir balle au pied. Et non, finalement, c'est allongé là par Crillon. Et le contrôle manqué là de Touré. Ils n'arrivent pas à développer du jeu, hein, pour l'instant, les joueurs de Colmar. Oula, faute là. Faute grossière de Diawara. La faute sur Liénard. Et c'est Kimmich qui va essayer de trouver Sabot. Ouais, bien joué, bien sorti. Tir. Et ballon perdu par l'AIFA. Ndour. Allez, Ndoye qui est retenu par le maillot là. Attention, là c'est Mtir qui est monté. Ah, il va s'excuser. Hein. Ouais. Un peu trop incisif là, Malik Mtir. Ouais, parce qu'il est parti mettre la pression. Il n'a pas réussi à récupérer le ballon. Regardez. En tout cas, on peut noter qu'il y a pas mal de contacts, mais que les joueurs ne se rentrent pas dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout de suite des échauffourées, il n'y a pas des regroupements. Pour l'instant, c'est viril, mais correct. Attends, il n'y a qu'une minute de jeu. Ouais, il faut quand même le préciser, qu'il y a quand même eu beaucoup de contacts déjà. C'est vrai, ouais, c'est un match engagé. Et regardez, Strasbourg, on dirait qu'ils sont pratiquement 4, hein, devant. Allez, Basser, on cherchait Liénard. Tiens, Liénard qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Voilà, en ce vendredi 13, veille de Saint-Valentin. Le voilà, Dimitri Liénard, avec Chrétien. Ouais, bonne intervention de Diawara. C'est maintenant qu'il faut ressortir, ne pas perdre ce ballon. Ah, il est bien pris, Touré, mais il faut le signaler par Amel. Ouais, il a été gentil, l'arbitre, hein, sur ce coup-là, parce qu'ils étaient trois autour de Diawara. Allez, 10 minutes de jeu. Et Johan Hamel était déjà en train de faire rappeler alors Damien Roth, l'entraîneur colmarien. Il y a certainement eu des mots. Hein. Ouais, je ne sais pas pourquoi, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de faute d'arbitrage, je pense. Non, Laurent Dupuis qui disait à l'instant que les choses se passaient plutôt bien sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Laurent? Toi qui étais en avant-première, aux avant-postes. Mais écoute, je peux pas dire ce qu'ils se sont dit, parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit dans l'enceinte. En tout cas, je sais que l'arbitre a fait des remontrances avec beaucoup de sourires. Bon, après, Roth, Damien n'avait pas l'air forcément d'accord avec ce que disait l'arbitre, mais il l'a pris lui aussi avec le sourire. Tout se passe pour l'instant dans un bon état d'esprit. Mais je sais pas ce qu'il lui a dit, franchement. J'ai essayé de tendre l'oreille, mais il y a trop de bruit. C'était trop loin.
Allez, crayon. Allez, est-ce qu'ils vont réussir un petit peu à. C'est un bon ballon, ça. De Diawara pour l'autre, Diawara à Mahamadou. Ouais, bien joué. Bien joué, Seka. Et voilà pourquoi il est capitaine aussi. Il s'est vite imposé dans cette défense. Et il va revenir à la faute, Johan Hamel. Faute sur Ernest Seka. Juste quand j'allais dire que cette équipe de Colmar, après avoir beaucoup subi, réussissait peut-être à placer une attaque. Ouais, à placer une attaque, à poser un peu le pied sur le ballon. Vous avez aperçu Louis Laïfa, hein, 28 ans, le franco-algérien, genre d'expérience, hein, près de 100 matchs de national. Allez, chéri. Dégagement de Christophe Herrel. Et l'ancien Sochalien va trouver une touche. Hein. Ouais, ils n'arrivent pas à trouver leur milieu de terrain quand ils interceptent le ballon, on l'a vu, la RL. Qui a... Et pourtant, on le disait tout à l'heure, hein, Sam, hein, Damien Haute qui a aligné un milieu de terrain très joueur, hein, avec Chéré, Bourgo, Laïfa, bon, Abdoulaye Diawara qui a un rôle plus défensif, mais qui est pas mal aussi, on l'a vu déjà au niveau de la relance. Ouais, mais regardez, dans l'organisation, on le voit, hein, c'est plutôt un 4-1-4-1, parce qu'on voit Diawara qui est quand même juste seul, devant sa défense, et 4 joueurs alignés devant lui. Allez, ballon pour la tête d'Erel. Ah, il est pressé là, Christophe Herrel. Faute de Yannick Aguémon, le franco-béninois. Ah, il a été malin parce qu'il a été chercher cette faute. Hein. Dès le début, on voit que là, il est un petit peu en difficulté. Donc, il va au contact contre Aguémon. Il manque un peu Aguémon, qui manque un peu d'expérience sur ce coup-là. Alors, c'était bien entre les deux, Aguémon. Aguémon, alors. Ok. Qui est un bon petit joueur, hein, d'ailleurs, hein, ce Yannick Aguémon. Il n'a pas encore marqué avec Strasbourg. C'est un peu ce qui lui manque, hein, cet instinct tueur. Mais... il est pas mal, on va dire qu'il est à l'image de Strasbourg en ce moment, il monte en puissance, hein, ouais, mais ce jeune joueur de 23 ans. Mais t'as raison de le dire, il est pas mal, mais quand on veut jouer les premiers rôles, être pas mal, ça suffit pas. Oh, le petit bond qu'il a pris à Guémont justement, il fait faute, hein, ouais, sur crayon. Parce qu'on le voit à l'image de Blaliac. Blaliac, c'est pas qu'il est pas mal, c'est qu'il marque des buts. Parce qu'à un moment, faut passer pas le même rôle. Oui, mais à un moment, faut passer du pas mal au décisif. Quand on joue dans ces clubs qui ont une haute ambition. Dans le derby Picard entre Chambly et Amiens, pour l'instant, il y a un partout également entre Dunkerque et Épinal. Vous le savez, hein, on vous donne pendant le match les autres résultats sur les autres pelouses de cette 21e journée de National. Marseille-Consola mène au Paris-sur-Vie. Décidément, Marseille-Consola effectue une belle remontée, hein, depuis quelques matchs maintenant. Et dans les autres matchs, il y a 0-0. Allez, attention à Mtir, le centre de Malik Mtir et l'intervention de Seka, une de plus. Ouais, il est bien joué. Là, il y avait une action offensive de qualité menée par Colmar. Ça a refroidi un peu, peut-être, les ardeurs strasbourgeoises. Allez, tête de Meyer directement en touche. Ah, c'est oui. Dommage de ne pas laisser ce ballon dans l'aire de jeu. Allez, Abdallah Mdour pour effectuer la remise en jeu. Sorti cette balle une nouvelle fois. Ouais, faut trouver quand même Grim Endoy à la construction un peu plus. Faut qu'il se montre. On les voit tous les deux, hein, devant leur défense. Allez, nouvelle remise en jeu de Ndour avec Liénard. Ah, il est contré, il a pris par deux joueurs, Dimitri Liénard. Ah, ils font tous des efforts défensifs, hein, à part Mahamadou Diawara, les Colmariens. Beaucoup de solidarité, hein, dans cette équipe, bah, qui a besoin de ça pour Qui encaisse pas mal de buts, hein, ces derniers matchs aussi. Hein. Ouais, mais ils ont besoin de ça pour sortir de leur passe difficile. Ah, bon petit ballon là pour Ndour, il a le temps de centrer. Abdallah Ndour et ballon dégagé par Crillon. Avec Chéré, la belle relance. Oh là, il faut sortir, il faut du monde, il faut exploser. Allez, c'est Bourgo qui a le ballon, il va tenter une transversale. Allez, c'est bien lu par Chrétien. Ah, mais il est surtout obligé de tenter quelque chose de difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui proposaient. Ouh, attention, il était en retard, Lando. Hein. Sortie de Fedrigo. Ça y est, on commence à voir les joueurs du milieu de terrain de Colmar. Ouh là là, oui. Et il a pris une semelle, là, Diawara. Ouais. Ouais, alors ouais. C'était Sikimic, visiblement. Je crois que là-dessus, l'arbitre a été gentil de ne pas donner le carton. Alors, qui a déjà marqué un but, hein, Mamadou Diawara, avec l'équipe de Colmar. C'était lors de la défaite face au Poirier. Regardez, il est dos au but. Ah, lui, il a marché sur les talons. Oh là là, oui. L'arbitre aurait pu mettre un carton là-dessus. Ah, c'est Milovan Sekimic. Allez, coup franc frappé par l'Aïfa. Ah, c'est mal dosé, ça. C'était même Bourgo, d'ailleurs. Hein.
Ouais, mais c'est surtout que c'est... Oui, il reproche à ses coéquipiers de ne pas s'être engagé parce que c'est là qu'il doit mettre le ballon. Il est droitier. Second poteau. Pointe des 6 mètres, regardez. C'est là, le gardien ne peut pas sortir, mais ça n'attaque pas le ballon. Mais il a peut-être joué trop tôt, justement. Allez, contrôle de Touré. Bien joué, Touré. Le relais de Chéri qui va obtenir une touche. On rappelle les buteurs du match aller. Il y avait eu Marquès pour Strasbourg justement, Bauken qui est sur le banc, Ndiaye. Et puis Crillon avait mis un doublé pour l'équipe de Colmar et Kébé avait marqué également. Et ça y est, ça va un petit peu mieux pour Colmar qui arrive à sortir le ballon. Et puis la saison dernière, Colmar qui s'était imposé ici, c'était une première d'ailleurs. Attention à ce ballon dégagé par Seca. Oula, attention, ils ont du mal à se dégager les Strasbourgeois et ça traîne toujours. Oh, il a complètement loupé sa frappe Diawara. C'était pas Diawara d'ailleurs, c'était Touré. C'était Touré, mais surtout il a oublié Diawara sur sa gauche. Il n'a pas été très lucide. Regardez cette action. Déjà, on gêne entre les trois Strasbourgeois. C'est Chéri qui fait le pressing. Ouais, et regardez s'il donne ce petit ballon de l'extérieur. Regardez, extérieur pied gauche. Et là, il attend Diawara. Allez, dégagement un peu manqué là d'Oukidja. Ça a été relayé par Sikimic qui laisse filer à Oukidja. Et ça fait trois fois qu'il. Meyer qui relance d'une façon deux fois, de façon un peu approximative, pour trouver ses partenaires. En tout cas, messieurs, l'action qui vient de se passer, où le ballon n'a pas été reçu par Diawara, eh bien, met en lumière ce que disait Christophe Grischka dans la presse cette semaine, stipulant qu'il y avait un très bon état d'esprit dans le groupe, peut-être même un trop bon état d'esprit, parce qu'il n'y a pas eu de colère de la part de Diawara. Il lui a fait la remarque, mais d'une manière très, très agréable à son coéquipier. Ouais, c'est normal. Oh, bien joué là. L'appel, ouais, c'est Laïfa. Ouais, quel ballon et qui va se présenter face à Sikimic. Il y a un coup à jouer pour Colmar. Nui Laïfa, la passe en retrait, la frappe de Bourgo, elle est contrée par Milovan Sikimic. Ouais, mais c'est là qu'on le connaît depuis Créteil, Nui Laïfa, pour sa qualité à s'engager dans le jeu offensif. C'est un beau joueur également. C'est un Laïfa. Bon joueur et qui est capable de s'engager justement dans le jeu offensif, d'être bon dans les moitiés de terrain adverse. Allez, Mtir qui est parti s'enfermer. Alors, il désigne quoi l'arbitre ? Ballon rendu au Strasbourgeois, ce qui énerve Malik Mtir. Non, c'est Laïfa qui était la même. Ouais, qui est resté là-bas. Ah, ils commencent à être. À développer leur jeu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Laïfa ? Ouais, on considère qu'il a glissé. C'est un peu surprenant. Personne à la retombée du ballon et c'est Sabot qui s'en saisit. Le dégagement des réels. Ah, ils ont très bien entamé le match, les Strasbourgeois. On a cru qu'ils maintiendraient un peu plus longtemps ce rythme, mais là c'est un peu plus calme. Je dirais qu'ils se sont adaptés au niveau défensif, Colmar, au jeu strasbourgeois. L'ouverture du Serbe, Sikimic. Allez, intervention là de Ndour. Et il est joué, l'arbitre était juste devant, monsieur Hamel. Ça repart avec RL. Ça y est, il commence à mieux trouver les milieux de terrain. Attention à ne pas perdre ses ballons. Bien fait de la part de Chéré. Allez, Bourgo. Allez, la mauvaise remise de Diawara. Dommage, Diawara qui n'ait pas été dans le ton sur ce coup-là. Encore une longue ouverture de Ndour. Cette fois-ci, Ndiaye laisse filer. Et c'est encore RL qui balance. Martiniquais Christophe Herrel, l'homme qui avait été conseillé à Sochaux par Charles-Édouard Coridon. Ouais, là, ils n'ont pas fait une mauvaise affaire, c'est un bon joueur du national. Qui était prêté la saison dernière par Sochaux. Eric Ely qui était allé le superviser à plusieurs reprises, qu'il avait recommandé d'ailleurs aux Sochaliens. Et finalement, eh bien, ils ne l'ont pas gardé, les Lyonceaux. Et il a signé à Colmar définitivement l'été dernier. Et coup franc obtenu là par les Strasbourgeois. Liénard, ouais. Encore lui. Et ils peuvent se montrer dangereux sur ces phases de jeu, les Strasbourgeois. Ils ont du monde. Et cette fois, c'est Kimmich qui vient aux avant-postes. Ouais, elle y est la faute sur Liénard. La faute du capitaine colmarien, Boulaye Diawara. Et il est pas mal, ce coup franc, il est bien placé. Et il les frappe bien en plus, Dimitri Liénard. Bah là, c'est on vise entre les 6 mètres et le point de pénalty.
Allez, 20 minutes de jeu et peut-être une nouvelle opportunité à venir dans ce derby entre Strasbourg et Colmar. Allez, c'est frappé par Liénard. Il est bien tiré. Il laisse jouer Johan Hamel encore. Oh, il en a manqué très peu. Andoy, j'ai l'impression, non. C'est Ndiaye. C'est Ndiaye, Alassane, oui. Ndiaye qui était trop court sur ce coup-là. On voit. Ouais, il n'était pas dans le bon tempo, pas dans le bon timing. Ouais, c'est Raphaël Gaborio qui nous a recalé ces belles images. C'est notre meneur à nous ce soir. Allez. Il faut qu'ils mettent plus de rythme, ils sont chez eux les Strasbourgeois. Allez, la touche à venir de Michael Chrétien-Basser. Ouais, il a quand même réussi à sauver ce ballon, Chrétien. Ouais, parce que l'armiste, c'était pas un cadeau. Hein. Il avait mis une passe D hein, là, il y a 15 jours hein, face au PFC. Chrétien pour l'un des buts de Blayac. Ouais, c'est sûr qu'on attend énormément de lui. Alors d'autant plus que l'un de ses concurrents au poste d'Onzelot est blessé. Ça fait maintenant quelques mois qu'il se bat avec les blessures, le franco-colombien. Allez, c'est qu'il y a encore une belle récupération dans les pieds de Diawara. Et regardez, c'est bizarre parce que... Regardez, ils pourraient décrocher pour demander le ballon pour reconstruire de derrière. Mais ils préfèrent sauter les lignes et remettre le ballon dans la moitié de terrain adverse. En tout cas, le COP strasbourgeois qui nous offre un bon spectacle hein, pour l'instant aussi. Dégagement de crayon. Avec Touré pour récupérer ce ballon. Et les SRC qui vont essayer de partir à l'attaque. Diawara. De nouveau Touré. Ouh, la mauvaise passe de Touré. Intervention là de Sabo. Ouais, bien joué, bien joué. Erel qui fait un très bon match, hein, qui couvre toutes les petites erreurs de ses coéquipiers. Et pourtant, son poste d'origine, c'est pas défenseur central, c'est milieu def. Et d'ailleurs, il préfère jouer milieu def, mais il a tellement de soucis défensifs, Damien Roth, qu'il va basculer en défense centrale. Hein. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a une grosse activité, qui doit aimer courir, donc il préfère jouer au milieu de terrain. Allez, Dour, on va effectuer une remise en jeu et d'ici quelques instants, vous allez voir apparaître les résultats des autres matchs à la pause, ça va venir. Vous savez, on est un peu en décalé dans ce derby. Et puis demain, ne manquez pas l'autre derby, le derby francilien entre le Red Star et le PFC. Fédrigo va effectuer son déplacement pendant que son capitaine Abdoulaye Diawara fait ses lacets. Et ils vont prendre le temps pour le jouer. Et les Green Boys qui ont fait le déplacement également. Les supporters de Colmar, vous les apercevez. Il y a les Green Boys et les Colverts. Ouais, bien joué. Hein. Touré qui s'est bien battu sur ce ballon. Allez, bon pressing de Bourgo. Et c'est Ndour qui l'emporte avec Sabo, la bonne relance avec Ndoye qui a essayé d'alerter Liénard. Dégagement de Meyer. Ouais, il faut reposer ce ballon au sol. Ouais, c'est bien joué ça de la part des Colmariens. Touré, Laïfa. Ouais, il va être intéressant là. Faire la passe juste. Tu lui as porté malheur ça. Ouais. Ah, on a du mal à poser le jeu. Ah, il y a quand même beaucoup de pertes de balles, beaucoup de passes imprécises qui empêchent le jeu de se développer des deux côtés. Et pas de souci pour Alexandre Okidja qui a eu pour l'instant un match peinard hein, après 25 minutes de jeu. Ouais, mais je pense que c'est la même hein, de l'autre côté. Il n'y a pas eu de grosses occasions. Il y a eu une très bonne entame de la part de Strasbourg qui nous a laissé penser qu'il se créait des occasions, mais finalement ça n'a pas débouché sur des occasions nettes. Bien, sachez que Bourg est mené pour l'instant face au CA Bastia et que le match entre Fréjus et Luçon a été reporté. Hein. Décidément, ça en fait des matchs reportés. Ouais. Et deuxième corner du match à venir, le deuxième pour le Racing. En tout cas, Damien Roth qui a demandé à l'AIFA tout à l'heure de jouer à terre, d'essayer de jouer le plus à terre. Oui, parce que les ballons, les grands ballons, c'est un peu approximatif. Et attention parce que Christophe Ferrel reste au sol. J'ai l'impression qu'il a contré un ballon et que sa cheville a tourné. Regardez. Tac. Ah oui, en retombant, oui.
il s'est tordu la cheville, Christophe Herrel. Et les soigneurs sont venus prendre des nouvelles. Alors ça, ce serait un autre coup dur, hein, pour Damien Hoth. Surtout qu'il fait un bon match, hein, tu le disais. Hein, il fait un bon match, il est très présent. Il arrive à rattraper un peu tous les coups au niveau défensif. Maintenant, le problème, c'est qu'ils vont le faire sortir sur le... comme il a appelé les soigneurs, ils vont jouer le corner sans lui. Et donc, c'est l'un des meilleurs joueurs de tête, oui, hein, de son équipe. Hein. Donc ça peut avoir des conséquences. Allez, il va reprendre sa place, Christophe Herrel. Il n'est pas content d'ailleurs, Damien Hoth, de voir que finalement il va mieux. C'est au joueur de se relever rapidement sans faire intervenir les soigneurs. Ah, il s'est frappé par Liena. Ah, encore la tête de Sikimic, c'est pas fini. Et le ballon qui est finalement dégagé par Crillon. Oh, c'était chaud là. Hein. Dour, il a hésité, il a mis la tête plongeante. Est-ce qu'il pouvait pas reprendre ce ballon avec le pied? Regardez, très bien tiré, Sikimic qui dévie. Il a osé mettre la tête, il aurait presque pu mettre le pied. Il aurait dû mettre le pied, ça aurait été plus dangereux, j'ai l'impression. Ah, et le contre à venir pour les Colmariens. Alors, pas de soucis pour Seka. Ouais, il fait un gros match, hein, lui aussi. Hein. Oui, battu à la course là-dessus, Diawara. Allez, Liénard. Oula, il a fauté. Ouais. Et il a sifflé, Johan Hamel. Il l'a vu, à la faute de Meyer. Il n'a pas encore sorti de carton, l'arbitre de 34 ans, mais il a vu la faute, hein, de Meyer. Pur colmarien, hein, Loïc Meyer, ce défenseur central de 24 ans, né à Colmar, formé à Colmar. Là, c'est bien de pouvoir former les joueurs et de les faire jouer. Alors, encore un coup de pied arrêté, est-ce qu'on va... Il les a bien frappés jusqu'ici, ouais. Liénard. Réussi à mettre le danger. Est-ce qu'on va mettre le danger devant le but de Colmar? Je ne sais pas qui c'est, mais il est à 2m50, j'ai l'impression. Il est frappé au point de pénalty, dégagé par l'AFA. Allez, Doy. Et contre à venir là pour Colmar. Chéré. Bon ballon dans les pieds d'Ergo. Allez, passé Bourgo. Ah, Ergo, c'est pas là, c'est Red Star qu'il est. C'est dommage qu'il n'ait pas pu lui mettre dans la course, donc il était obligé de s'arrêter un petit peu. Et on va revoir le corner de tout à l'heure. Ouais. Frappé par Liénard et la déviation de la tête du Serbe Sikimic. Il aurait dû attaquer avec le pied ce ballon, il s'est jeté en tête plongeante. Un geste un peu surprenant. Mais il avait un peu raté sa sortie, hein, Fédéric. Oui, ouais, il s'est engagé puis il s'est retenu au dernier moment. Qui cherche une vieille, bonne couverture de Meyer. Allez, il faut trouver à terre, au sol, les mieux de terrain de Colmar. Allez, Touré qui cherche un soutien, il trouve l'AFA. Il y a pas mal de joueurs. Hein. Allez, Grimm qui va essayer de donner ce ballon à Guémont et peine intervention d'Erel, encore une. Il lit bien le jeu, il lit bien les trajectoires. Allez, Crillon, la tête de Seka. Ouais, là, ouais, bien fait la Liénard, un signalé en faveur du Colmar. Ouais, je l'aurais sifflé aussi, hein, parce qu'il ne s'est pas engagé Liénard au niveau du duel aérien. Je sais pas s'il signale pas une main, si. Non, il a cherché à déséquilibrer l'AFA. Allez, Chéré, qui va tenter une percée, il a le contre favorable. Allez, revoit la Chéré. Oh, la faute. Et non, il a joué, l'arbitre il était juste devant. À Guémont. N'arrive pas à redresser ce ballon. Ouais, qui veut surtout ne pas perdre le ballon dans sa moitié de terrain. C'est bizarre parce qu'ils sont organisés, les Strasbourgeois, en 4-2-3-1. Entre Aguémont, par exemple, et Chrétien, on devrait voir des dédoublements, des joueurs qui jouent ensemble, et de l'autre côté, pareil. Mais on ne le voit pas beaucoup. Ils n'arrivent pas à passer sur les côtés, ouais, à jouer ensemble, les paires qui sont l'un devant l'autre ou l'un derrière l'autre. Comme de l'autre côté, Sabot et... Alors c'est vrai que Chrétien vient d'arriver, hein, il n'a peut-être pas encore vraiment les automatismes avec Aguémont, bien qu'on l'ait vu, hein, face au PFC, ça marchait plutôt pas mal. Hein. Ouais, mais c'était pourtant le leader. Hein. Exactement. Sabo et Ndour, par contre, quand on les avait vus jouer à Amiens, ils le faisaient très bien. Ces dédoublements, ils le font pas beaucoup aujourd'hui. Là, bien fait là, de la part de Ndoye. Allez, Sabo. Pour Ndour qui est monté. Allez, il est contré. Dalan Ndour, pas de main signalée par l'arbitre. Ça repart avec une tire. Hein. Attention, Sikimic, il s'est lancé. Ils ont eu le contre là, les SRC. Malik Mtir, une nouvelle fois, le petit ballon dans la surface de réparation. Et l'ouverture du score pour les
c'est Colmar qui marque dans ce derby alsacien. 1-0 pour Colmar et le but de Mahamadou Diawara. Il avait marqué la semaine dernière face au Poiré Survie. Et c'est son deuxième but avec les SRC. Ouais, mais ça part de Sikimic. Hein. Quand on est comme ça, charnière centrale, comme Erel a pu le faire auparavant, et qu'on sort de sa charnière centrale, il faut être sûr d'intercepter le ballon. Sikimic, regardez, il part côté. Et il se replace pas très rapidement alors que Diawara lui fait la course à fond la caisse. Ah, il est à l'origine, à la finition. Oui, oui, Sikimic, il doit être avec lui. Parce qu'ils partent ensemble. Regardez, il est loin, il est à 1 mètre, Sikimic. Et derrière, ça fait but. Parce que Seca n'a pas le temps de venir. On rappelle, hein, et tu le soulignais avant même le coup d'envoi de ce match, Sikimic y revient de blessure, ça fait de longues semaines qu'il n'a pas joué. Et puis Salmier, le jeune Johan Salmier, qui faisait plutôt des bons matchs, il a été laissé sur le banc par Jacquet Duguay-Perrot. Oui, sur ce genre de match, il a préféré l'expérience de Sikimic, mais il faut des joueurs prêts à 100% pour jouer ce genre de match. Mais ce qui est frappant, c'est ça, c'est qu'il a le compte décisif, il a le compte pour lui, Diawara, et après, il est plus rapide que Sikimic, il le prend à la course, hein, parce qu'ils sont ensemble au départ. Alors les supporters de Strasbourg qui n'étaient pas contents, puisqu'ils estimaient qu'il y avait une main à l'origine, hein, au ouais. Tout début de l'action, dans le camp colmarien, et qui n'a pas été signalé par l'arbitre. En tout cas, ce derby est lancé, tiens là voilà l'action. Là voilà l'action, ils estimaient qu'il y avait une main de Bourgo. Ouais, je pense pas qu'on... Elle n'est pas évidente. Ouais, elle n'est pas évidente, et puis après l'action elle part sur 90 mètres quand même. Hein. En tout cas, ce derby est lancé. Hein. Et c'est Colmar qui mène à Strasbourg. Ouais, qui après un début. Le truc, c'est que Colmar, ils ont des très bons milieux de terrain, des milieux de terrain joueurs. Si vous les étouffez. Et donc en contre. Voilà, si vous les étouffez, vous prenez le jeu à votre compte, vous prenez des occasions. Si vous les laissez un peu respirer, un peu s'organiser, vous allez être mis en difficulté. Et on sentait depuis quelques temps qu'on trouvait un peu plus Haïfa, un peu plus Bourgo, un peu plus Chéré. Et ça a donné un but pour Colmar. Allez, réponse strasbourgeoise à venir avec Sabot dans la surface. Le centre de Sabot et c'est sauvé par Erel. Bien joué Erel. Bien joué Erel parce qu'il y avait du monde derrière lui. Alors il n'aime pas jouer derrière mais il est efficace. Hein. On a un bon duel de défenseurs entre lui et Seca. Hein, ah oui, face, hein. Deux très bons joueurs. L'un qui est plus massif que l'autre. Allez, Liénard pour frapper ce corner. Allez, tiré très fort. Hein. Dégagé par l'AIFA. Aguémon. La frappe d'Aguémon. Retouché par Chéré. Allez là, c'est dommage qu'il panique parce que là ça aurait pu partir très vite. Attention Chrétien. Ouais c'est bien, il a mis la pression. Et ce Diawara, je crois que tu lui portes bonheur Sam, puisque la dernière fois qu'on l'avait commenté c'était avec Chambly. Match face à Strasbourg d'ailleurs. Il avait marqué un pénalty en fin de match. Pénalty sur la fin. Match assez rocambolesque hein, d'ailleurs, hein, où Sabot avait pris un rouge. Ouais, où à la mi-temps les Strasbourgeois doivent mener 2-3-0. Et au final, ils perdent. Oula, où le mauvais contrôle de Ndour. Mais il s'en sort bien. Il faut souvenir les paroles que m'a dit Duguay-Perrot avant le match. Quand je lui ai dit comment ils sentaient ses joueurs, il dit le problème avec nous, c'est qu'on ne sait jamais. Hein. Ouais. On peut être des fois très bien, des fois très mal, dans le même match, en cours. Alors qu'il faut trouver une régularité dans le jeu pour être en haut du tableau. Allez, touche obtenue par Dimitri Liénard. Ouais, et là, on sent les. Les Strasbourgeois un peu dans le doute. Ouais, alors que les Colmariens, eux, sont plutôt en réussite. Hein. Ils ont eu une vraie occasion et ils l'ont mise au fond. Hein. Ouais, mais dans ce qu'ils font, voilà, ils défendent bien, ils sont bien organisés et solidaires, Colmar, alors que. Oula, ouais, bien c'est joué. C'est passé. Il y a peut-être un premier carton à venir là. Pour Touré. Comme la faute n'est pas une grosse faute, mais ça empêche une action offensive ouais. De se développer. Il annule une action quand même, Youssouf Touré. Il n'a pas mis la main à la poche, Johan Hamel. Vous savez, c'est toujours plus dur. Regardez, belle feinte hein, de Ndour. Et cette petite faute de Touré, c'est toujours plus dur hein, d'aller chercher la gagne que de s'asseoir sur une grosse position défensive. Et maintenant, les Strasbourgeois sont obligés de se découvrir. Encore un coup franc de Liénard. C'est tombé dans la surface. C'est l'égalisation pour le Racing. Un but partout alors qu'un homme était resté au sol. Attends. Non, il a sifflé. Il a sifflé l'arbitre. La faute, elle me paraît pas évidente. La solo est partie un peu vite. Raphaël Gaborio va nous recaler ça d'ici quelques instants. Il a signalé une faute sur Christophe Erel qui se tient le crâne. Alors il y a eu pas mal de confusion dans la surface de réparation de Thomas Fédrigo. Tiens, on va la revoir cette action. Alors est-ce qu'il y a coup échangé? En tout cas, c'est Ndiaye, je crois, qui marque. Ouais. Alors, on voit pas trop. Bah en fait, dans le premier duel entre. Il a la lutte parce avec Seca. C'est Diawara.
Et avant, il y a une faute de il y a un duel entre CK et Irel. Mais le duel final n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je crois qu'il va rappeler Ernest CK, Johan Hamel, tiens. Parce que c'est ça le problème, c'est le duel entre Irel et CK où il siffle la faute. Mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas, ce duel au départ. Et là, voilà, il est en train d'expliquer, là, on peut lire sur ses lèvres, hein. Vous avez mis un coup de coude à Christophe Irel, c'est la dernière fois, je l'ai vu. Voilà, donc d'accord. C'est ça qui sanctionne. Ce qui le rappelle à l'ordre, NSCK, Johan Hamel. Ah oui, oui. But refusé pour le Racing à la 35e. En tout cas, on va la revoir une nouvelle fois cette action. Et regardez, c'est à l'entrée de la surface. Hein. Il est là, NSCK, avec son brassard. Et effectivement, il cède des bras pour se débarrasser d'Irel. Ah, on voit la fin. Parce que le duel entre Diawara et Ndour, Ndiaye, il n'y a absolument pas faute. Mais il siffle sur ce qui se passe auparavant. Et Alassane Ndiaye qui s'est donc vu refuser ce qui aurait pu être son sixième but cette saison en championnat. Lui, il en a mis deux également en Coupe de France. Et forcément, il n'est pas content, hein, Jackie Duguay-Pérou. Tiens, Laurent Dupuis, tu ne vas pas lui demander s'il est content ou pas, Jackie. Ouais, attention à ne pas laisser les joueurs de Colmar développer leur jeu au milieu du terrain. Allez, bon, dans la surface de réparation, superbe intervention de CK. Allez, le capitaine strasbourgeois qui va essayer de lancer un contre. Ah, il est finalement bien repris. Hein. Ouais. Beaucoup de solidarité dans les rangs de cette équipe de Colmar. Là, l'erreur pour les Strasbourgeois, ce serait de s'énerver, hein, Sam. Oui, parce qu'il reste encore du temps. Ils ont le temps de poser leur jeu. Ouais. Transversal de Touré, c'est un peu forcé. Hein. C'est un peu forcé. C'est dommage de ne pas passer par leur milieu de terrain. Alors qu'il a le temps là, de s'organiser. Il a le temps de donner un bon ballon. Et en plus, ils mènent. Donc, ils n'ont pas besoin forcément de se précipiter. Il faut qu'ils fassent courir les Strasbourgeois après ce ballon, les joueurs de Colmar. Allez, c'est Kimmich. Intervention de Meyer. Mais c'est facile à lire, ça, pour les défenseurs de Colmar. C'est long ballon. Allez, touche concédée par Dimitri Liénard. Il faut qu'on voie un peu plus, que ce soit à la récupération, en donnant le tempo, ou que ce soit en sortant ses premiers ballons, Grim Endoy. On ne les voit pas assez, c'est eux qui doivent déclencher le pressing chez l'adversaire et qui doivent sortir les premiers ballons. Et regardez, ils ne sont pas forcément très présents. Ouais, Meyer Endoy, hein, qui est lui aussi prêté par le FC Metz et qui, rappelons-le, revient de suspension aussi. Allez, Chrétien. C'est compliqué ça pour Liénard. Ah, mais là, il va se régaler. Surtout hein. Face à RL. Hein. Ouais, si on donne ce genre de ballon, RL, il va faire un festival. Et de nouveau l'international marocain qui joue avec Aguémon. Ouais, il a vu l'appel de Liénard dans le couloir et c'est Touré qui est venu défendre. Ouais, bien joué Touré, il va vite hein, Touré. Ouais, il est puissant mais il fait faute. Estime l'arbitre assistant, il était juste devant, il a agité son drapeau. Hein. Ouais, pas sûr mais c'est vrai qu'au niveau de la vitesse il est dur à déborder hein, Touré. Et c'est bien sûr Liénard qui va s'y coller pour frapper ce coup franc. Il va être très très attentif hein, sur tous les duels l'arbitre. Bien frappé encore. C'est encore dégagé par Touré. Ouais, bonne intervention, hein, premier poteau. Allez, Chrétien qui va aller effectuer cette remise en jeu. Ah, il a peu de solutions, hein, Michael Chrétien. Ouais, ça bouge pas beaucoup autour de lui. Et c'est lui qui va centrer, pied gauche. Hein. Allez, ça revient sur le dos. Hein. Ouais, bien fait, Landoy qui s'est retourné, va frapper. Oh, ça passe au-dessus. Bel enchaînement de la part des Strasbourgeois. Ah, et c'est Alassane Ndiaye. Hein. Ouais, quelle spontanéité, regardez. Derrière la jambe d'appui, il essaie d'enrouler second poteau. Et il a fouetté ce ballon. Regardez, il élimine son adversaire direct sur un bon contrôle orienté. Autre joueur prêté, hein, Alassane Ndiaye par Arles Avignon. Ce franco-sénégalais. Allez, Strasbourg qui repart avec Liénard. Allez, faute. Ouais, il n'a pas senti l'avantage malheureusement. Ouais, faute sur Dimitri Liénard.
Bah, attention, parce que je crois que c'est encore Touré qui était dans le coup à pas multiplier les fautes. Ah non, c'est Diawar qui est rappelé à l'ordre là, pour l'arbitre. Est-ce que c'est Diawar ou est-ce que c'est Touré? Je suis un peu comme toi, je pensais que c'était Touré aussi. Mais... ouais, parce que c'était lui qui était près du ballon. Le premier du match pour Abdoulaye Diawara. Lui qui avait été recruté par Colmar la saison dernière pour remplacer Jérémy Grimm qui était retourné à Strasbourg. On va voir. Ouais, c'est lui, ouais. C'est lui. Ouais, c'est... il lui marche sur la regardez cheville. Regardez Crillon. Je pense que c'est Crillon qui fait faute, moi, regardez. Non, mais il lui marche sur la cheville d'ailleurs, derrière. Ouais, les deux remarquent. Hein. Oui, c'est plus Crillon, à mon avis, qui fait la faute. Mais bon. Il était pris en sandwich là. Et cette fois, c'est Sabot qui va tirer le coup franc. Ouais, on est quand même loin de la cage de Federigo. Ouais, donc il doit viser le point de pénalty. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, Sabot. Il est bien frappé et le poteau, et c'est dedans. Oh, l'égalisation strasbourgeoise. Et c'est Alassane Diaye qui s'est vu refuser un but tout à l'heure, qui permet à Strasbourg d'égaliser. Un partout, ce derby est relancé à 4 minutes de la pause. Il n'a pas lâché l'affaire, Ndiaye. Il a vu un but refusé tout à l'heure. Il a frôlé la lucarne de Federigo. Je me demande si c'est pas un CSC. Ouais, c'est pas RN contre son camp plutôt, Nico. Je sais pas, mais en tout cas, c'est lui qu'on félicite. Hein. Ouais, bah, il va le prendre quand même. On va voir ça au ralenti. On va voir, mais je me demande effectivement si c'est pas un CSC. Regardez, il vise le point de pénalty. Ah si. Oh, je sais pas. C'est RL. Ah, je sais pas. Il la touche. C'est RL qui le touche en dernier. Regardez. Ouais mais lui il la met en direction du but. Ouais. Elle est en direction du but. Regarde, ah non, je suis pas sûr. Ouais. Ah, je sais pas s'il la touche. On va voir. On lui donne ou pas? On lui donne quand même pour la beauté du geste. Tout à l'heure il a fait un contour le rentré. Alors écoute, c'est là qu'on a besoin d'un chef. Oui. Jean-Yves Dermain, notre chef d'aide, il est dans le carré J, c'est à toi de trancher Jean-Yves. Ouais, on va voir. Mais pour l'instant nous on lui laisse. Hein. Bon allez, il a dit c'est RL contre son camp. Alors toi qui es buteur, Sam, je sais que ça te fait pas plaisir. Mais... non, je préfère le donner à Ndiaye. C'est mieux. Et je sais même pas s'il la touche, hein. Alors il l'effleure en tout cas ce ballon. En tout cas la règle Michel. C'est normalement s'il tire et que la frappe elle est cadrée, normalement elle est attribuée au buteur. Hein. D'accord. Mais là il faut voir déjà s'il la touche au départ. Attends, on va voir encore, on va revoir. Tiens, le ralenti, Raphaël Gaborio qui nous dissèque ses images. Et il la touche, ouais. Ouais, il la dévie quand même pas mal, RL. Enfin bref. Allez, en tout cas, ça fait un partout, c'est ça qui compte. Ouais, quand on avait dit, hein. On verrait des buts, ben on en a déjà deux à la mi-temps. Ah, et pourtant Christophe Ferrel malheureux parce qu'il a fait une très belle première période, hein, le défenseur colmarien. Ah, il a été très bon, il a coupé à droite, il a coupé à gauche, il était très présent dans le domaine aérien. Allez, attention à Colmar qui repart à l'attaque, mais il avait sifflé l'arbitre. Hein. Ouais, c'est bizarre parce que c'est l'arbitre qui siffle et je ne sais pas si l'arbitre de touche avait levé son drapeau. Ah, et le public strasbourgeois qui reprend de la voix. Ah, ça arrive au bon moment. Hein. Ils avaient du mal à se montrer dangereux dans le jeu, mais on avait vu 2-3 situations sur les coups de pied arrêtés où voilà, les strasbourgeois arrivaient à mettre un peu de pression. Et c'est là-dessus. Hein. Oh, attention à cette prise de risque. Ouais, et ballon récupéré par Aguémont, le bon décalage pour Chrétien. Allez, c'est Strasbourg là qui est euphorique, ils ont pris l'ascendant psychologiquement. Oh là, un tir qui remet dans l'axe. Et la frappe qui est dévissée, Chéré. Allez, bonne relance là pour Bourgo. Et c'est comme ça qu'il est venu but colmarien. Ouais, attention. Mais là c'est complètement c'est excentré. Ah, il n'a pas pu récupérer le ballon, Diawara. Ouais, qui avait fait un bon appel pourtant. Allez, remise en jeu à venir pour Abdallah Ndour. Allez, Chéré. Ah, qui est parti s'enfermer là, Chéré. Tire, hein. De nouveau Chéré. Oui, faute. Oui. Lienard sur le tir.
même s'il n'est pas d'accord, hein, Dimitri Liénard. Il est parti s'excuser quand même auprès de Malik Mtir. Et c'est lui qui va frapper ce coup franc, le franco-marocain, qui a une particularité, c'est le seul joueur à avoir disputé tous les derbies en national depuis 2010. Il en a joué 5, bah, c'est le 6ème ce soir. Ouais, c'est plaisant, c'est un plaisir de jouer ce genre de match. Bon, bien joué, bien sorti, Crillon. Ah, ils n'hésitent pas, hein, les Strasbourgeois, au niveau du jeu long. Sous les yeux de Damien Haut, on est rentré dans le temps additionnel de cette première période. Sautent les lignes, mettent de l'impact et ils essaient de gagner ces seconds ballons. C'est Kimmich, Meyer, Doy avec Ndour, une bonne petite déviation de Ndiaye avec Liénard et c'est encore Erel qui s'interpose. Il a une bonne lecture de jeu, hein, c'est Christophe Erel. Et c'est la mi-temps. Et c'est la pause à la Mélo. Et un partout entre le Racing et les SRC dans ce derby alsacien. Avec une équipe strasbourgeoise qui a été menée à la demi-heure de jeu après un but de Mahamadou Diawara. Égalisation à la 40e. Avec un CSC de Christophe Erel ou alors Ndiaye. Hein, alors c'est au choix. Alors un ballon qui était disputé par Alassane Ndiaye. Christophe Erel qui a retouché ce ballon et qui l'a dévié dans ses propres filets. En tout cas, ça fait un partout donc à la mi-temps entre ces deux équipes. Et pour l'instant, on assiste plutôt à un bon match, hein, Sam. Oui, c'est un match engagé. Je dirais qu'on a vu des matchs où ça jouait mieux en national, mais on sent sur ce match qu'il y a beaucoup de tension parce qu'aucune des deux équipes ne peut se permettre, je dirais, de ne pas gagner. Même un match nul, ce ne serait bon ni pour Colmar ni pour Strasbourg. Tiens, et on va peut-être demander à l'intéressé, puisque Laurent Dupuy est avec Christophe Erel, justement, qui a fait une belle première période. Mais alors, c'est lui qui le marque ou pas ce but? Alors, il y a un doute, Christophe, le but, il est pour toi? Ben, ouais, moi, je le prends pour moi. Parce qu'en fait, j'ai mon joueur, et devant moi, il y a un joueur, en fait, il y a Ndiaye. Et il a dévié un peu de la tête, et il tape sur mon épaule, après, il rentre. C'est dommage, on était bien derrière, on était bien concentré. Et voilà, encore une fois, sur un coup de pied arrêté, on prend notre but, et voilà. En tout cas, c'est vrai que vous avez réussi une première mi-temps quasi parfaite. Il y a eu 10 premières minutes un peu difficiles où Strasbourg a eu beaucoup de pressing. Et puis vous êtes progressivement entré dans cette partie jusqu'à ce but. On avait presque l'impression que vous aviez fait le plus dur. Ouais, on avait bien commencé. Comme je vous ai dit, on était bien concentré, compact. On était solide et voilà. Après, il faut qu'on continue à jouer. Il faut qu'on continue à les contrer. Et après, il faut qu'on marque ce deuxième but qui nous fera du bien. En même temps, vous avez déjà marqué 2 buts hein, en face et un contre votre camp pour l'instant. Non, mais ça, c'est rien, ça. Comme je te dis, on va continuer, on va les pousser. Et on va essayer de faire comme l'année dernière. Merci beaucoup, Christophe. Bonne deuxième mi-temps. Voilà donc sur le sourire de Christophe Erel, parce qu'il était allé discuter un petit peu avec les arbitres juste avant de rentrer au vestiaire. Il était un petit peu en colère. Mais c'est comme ça. Un partout, donc au terme des 45 premières minutes. On va marquer une petite page de publicité. Puis on se retrouve ensuite pour voir les meilleurs moments de cette première période. Ce sera d'ici une dizaine de minutes. Une belle affiche avec la Mélo à guichet fermé. 24 000 spectateurs qui ont suivi un beau spectacle avec les Strasbourgeois qui ont attaqué les premiers. Oui, mais à la demi-heure de jeu, il y a eu ce beau contre hein, mené par les Colmariens avec ce ballon perdu par Ndour. Alors, il réclamait une main, les Strasbourgeois. Et là, ça va vite partir avec Sikimic qui a raté son intervention. Et regardez, là, il est à la lutte, hein, Sikimic. Et c'est Mtir qui va lancer Diawara qui était à l'origine de l'action. Mahamadou Diawara, déjà buteur la semaine dernière. Face au Port et Survie, l'attaquant qui était à Chambly en début de saison et qui permet au SRC bien d'ouvrir le score. Et qui fait preuve de beaucoup de lucidité. Regardez ce plat du pied, il voit bien le gardien sortir. Alors derrière, il va y avoir ce but refusé à Alassane Ndiaye, le meilleur buteur strasbourgeois depuis le début de la saison. On est à la 35e minute de jeu. Et alors l'arbitre, hein, Johanna même, qui va refuser ce but parce qu'il estime qu'Ernest Seca a mis un coup de coude à Christophe Erel, ouais, à l'entrée de la surface. On va le retrouver, Christophe Erel. Alors, beaucoup plus malheureux sur ce coup-là. Alassane Ndiaye, il y a la lutte. Il touche le ballon, il l'effleure. Et Erel qui le dévie dans son propre but. On est à quelques minutes de la pause. Et Strasbourg qui égalise. Ouais, au bon moment, hein, parce qu'on ne voyait pas les Strasbourgeois égaliser sur une action de jeu. Il y a un coup de pied arrêté, c'est aussi l'avoir obtenu. Donc, il faut savoir en profiter. Et un geste malheureux. Il nous dit hein, de l'épaule. Ah oui, c'est de l'épaule qui dévie ce ballon. Légèrement touché par Ndiaye. Et puis alors,
parce que tu es buteur, on va l'attribuer à la Ndiaye. On va retrouver l'or du fluide. Vite avec un SCK avant de rentrer sur la pelouse. On a vu Strasbourg qui avait bien entamé le match, qui a ensuite un peu baissé le pied, qui a réussi à égaliser avant la mi-temps. Du coup, maintenant, le match est relancé pour cette deuxième période. Oui, je pense qu'on a fait le plus dur d'égaliser avant la mi-temps. Maintenant, ça va pas être... en deuxième mi-temps, ça sera un autre match. Il faudra tout donner pour essayer de mener au score, puisqu'on est à domicile. Ouais, il faut gagner ce derby pour continuer d'espérer dans ce championnat national. En tout cas, il ne faut pas le perdre. Mais maintenant, on va tout faire pour marquer et d'essayer de ne pas encaisser un but. Merci, Anes. Bonne deuxième période. Ouais, et Sam, on a quand même beaucoup de mal à reconnaître cette équipe de Strasbourg par rapport à ce qu'ils ont démontré il y a 15 jours ici face au leader, le PFC. Hein. Ouais, parce qu'on sait, mais tu le sais, on le sait, dans les propos de Duguay Pérou, c'est ce qui est ressorti aussi, c'est que c'est une équipe qui est irrégulière. Si elle était si elle jouait toujours comme elle joue sur ses moments forts, bah elle serait dans le trio tête de ce championnat. Malheureusement, elle a des moments où elle est méconnaissable, où elle perd des matchs largement à sa portée. Et c'est ce qui lui empêche toujours d'être à la lutte avec les trois premiers de ce championnat. Ouais, rappelons qu'au coup d'envoi de ce match, Strasbourg est à 5 points du podium et que Colmar est à 5 points de la zone rouge. Et seulement 3 points séparent ces deux équipes. Alors c'est vrai que le championnat il est un petit peu faussé, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui ont été reportés en raison des conditions météo. Hein. Oui, donc quand on joue, il faut gagner parce que sinon après on peut se retrouver loin sans savoir où on se trouve exactement. Allez, tout le monde est prêt à repartir. Allez, tout est à refaire dans ce derby alsacien, partout à la pause entre Strasbourg et Colmar. Diawara et Ndiaye ou Erel contre son camp. Eh bien, ont été les auteurs des buts de la première période. Et on est reparti avec les mêmes, hein, il me semble. Hein. Même si Jackie Duguay Pérou a envoyé pas mal de monde à l'échauffement à la mi-temps, Sam. Hein. Oui, parce qu'il a quelques doutes. Quand Ernest Seca dit, quand Laurent Dupuis dit à Ernest Seca il faut le gagner, et qu'Ernest Seca lui dit au moins ne pas le perdre, non, je pense qu'il a fait une bonne lecture de la situation. Il faut à tout prix que Strasbourg gagne ce match pour encore croire à la montée en fin de saison. En tout cas, ce qu'ils ont surtout envoyé à la mi-temps, c'était des jardiniers. Et sachez, messieurs, que Bourque, qui est deuxième au coup d'envoi de cette journée, vient d'égaliser face au CA Bastia. Et déviation de la tête de Sabot. Intervention de Diawara. Il a bien fait de la part de Grimm là. Il a glissé Liénard. Et il a encore glissé. Il a marché sur le ballon qui a été récupéré par RL. Ouais, encore une fois, il a les contres. Il a tout pour lui. Bon, il a eu cette petite mésaventure. Il a dévié un ballon dans son but. Allez, ballon dans la profondeur. Diawara. Le premier buteur de ce match. L'accélération face à Sikimic. Et la frappe de Bourgo, arrêt de la barre, Doukidja. Ouais, c'était encore un bon appel de Diawara qui avait fait la différence sur l'appel par rapport à Sikimic. C'est l'Aïfa même qui frappe. Non, c'est Bourgo. C'est bien Bourgo et il est très habile sur les coups de pied arrêtés, sur les frappes de balles, sur tout ce genre de gestes Bourgo. Il le prouve encore. Ancien joueur d'Angers, Emmanuel Bourgo. Passé par Créteil, le port est survie également. Ndiaye. C'est directement dans les pieds de Judicaël Crillon. Ouais, c'est dommage parce qu'il se trouve bien joué. Bien joué la Grimm, l'intervention. Ouais, on récupère le ballon très haut. Il a bugé Chéré sur ce coup-là. Et revoilà Crillon. Ouais, qui va obtenir la touche. Hein. Ouais, mais on a l'impression que les Strasbourgeois sont repartis comme en première mi-temps. Où ils avaient fait une très bonne entame pendant 10 minutes. Bah, d'ailleurs, ils ont eu une occasion dès la première minute. Hein. Sabot qui avait raté son duel. Face à Fedrigo. Ouais, et là, on a l'impression qu'ils sont repartis pour jouer très haut, pour asphyxier cette équipe de Colmar d'entrée. Allez, l'ouverture de Sikimic. Oula, attention à ce contrôle de Liénard. Et il revient à la faute. Il revient à la faute, Johan Hamel, faute de Judicaël Crillon. Ouais, c'était bien joué de la part de Liénard qui a pris la position préférentielle, qui a protégé son ballon. Ouais, c'est ce qu'on disait. Regardez. Là, il est intelligent parce qu'il se met devant Crillon, il l'oblige à faire faute. En tout cas, il faut souligner le bon état d'esprit de Liénard qui ne rajoute jamais, qui pourrait plonger. Mais dès qu'il y a une faute, il continue de récupérer le ballon. Et ça, c'est plutôt à son honneur. Ouais, c'est un bâton, hein, ce Liénard. Et c'est aussi un bon frappeur de coup franc. Et il en a tiré quelques-uns en première période. Et c'est encore lui qui va s'y coller.
Heureusement qu'il est revenu, hein, Diawara qui a senti le coup. Bon, il y a un beau duel à venir entre RL et CK. Ouais, entre Diawara et Ndoy aussi, attention à ne pas commettre la faute. L'arbitre doit être attentif. Allez, c'est frappé par Liénard et c'est dedans. Oh, c'est direct. Le jour de son anniversaire, Dimitri Liénard, 27 piges ce soir et un coup franc direct, s'il vous plaît, dans un derby alsacien face à Colmar. Quel but de Dimitri Liénard. Ouais, et on avait dit qu'ils avaient démarré très fort, on le sentait cette seconde mi-temps, ils ont mis la pression, ils ont obtenu un coup franc et ça a été superbement bien tiré. Ah, quand on disait qu'ils savaient les frapper, les coups de pied arrêtés, Dimitri Liénard, troisième but cette saison et celui-là il est vraiment placé dans la lucarne de Federigo. Hein. Ah, et c'est ce qu'il veut faire, hein. C'est ce qu'il veut faire, quel coup franc. Et j'ai l'impression, hein, y a Varsovie qui est parti s'échauffer côté Colmar. Un défenseur. Non, tout le monde est parti s'échauffer, ouais, hein, d'ailleurs. Ouais, côté Colmar. Oh, mais quelle entame du Racing. Ouais, et le Racing qui était mené 1-0, qui mène 2-1. La réponse des Colmariens, le centre de Bourgo, retouché par Oukidja. Diawara. Ah, il est contré, là. Mamadou Diawara, qui a le soutien de Crillon. Il y a du monde, il y a du monde. Attention, Oukidja. Ouais, bien joué, Oukidja. Ah, qui s'est imposé, hein, dans les buts cette saison. Il a pris la place de Guillaume Gauquelin, l'ancien gardien de la réserve lilloise. Ouais, ce qui n'était pas facile. Et maintenant, c'est aux Strasbourgeois, hein, de ne plus baisser de rythme, de continuer sur ce rythme-là. Et Strasbourg qui était mené 1-0 à la 30e minute de jeu après le but de Diawara qui a égalisé à la 41e avec un CSC d'RL, hein, sur une tête effleurée par Ndiaye et qui prend maintenant l'avantage grâce à Liénard à la 48e minute de jeu. Ouais, toujours, hein, leur bonne entame, ils ont bien entamé le match, ils ont bien entamé cette seconde mi-temps. Et attention parce qu'ils sont lancés maintenant à Guémont dans la surface, c'est pour Ndiaye. Ah, il s'est excentré à la Sam Ndiaye. Oh, il a tenté un dribble face à Meyer. Ouais, bien joué Meyer, sobre. En tout cas, deux buts encaissés sur deux coups de pied arrêtés, hein, pour l'équipe de Colmar. Ah oui. Ça veut dire que c'est quand même un manque de vigilance peut-être. Ah, il le soulignait, hein, déjà, en fin de première période, Christophe Herrel. Hein. Bah, je dirais que sur le premier, oui, parce que... Oh, attention, parce que c'est Kimi qui va avoir du mal à la vitesse. Ah, il a Diawara face à lui. Touré. Oh, il a trop cherché la faute, Touré. Et ce que je disais, autant le premier coup franc, on peut dire qu'il y a une faute de marquage, mais le deuxième, c'est pas une faute. Et attention à Liénard, parce que là, il est lancé lui aussi, mais c'est hors cadre cette fois-ci. Sur le deuxième coup franc, c'est pas une faute d'inattention ou quoi que ce soit. C'est un coup franc. C'est un exploit individuel, ouais. C'est un coup franc superbement bien tiré, parce qu'il n'y a pas de faute de marquage. Ouais, mais c'est le gardien, après, qui est peut-être pas forcément irréprochable. Oh, il est au milieu du but. C'est ça, son erreur. Ah, il est super bien tiré. Il est super bien tiré. Faut vraiment aller la chercher, ce second poteau. Il a une belle histoire, hein, ce Dimitri Liénard. Hein, vous l'avez déjà un petit peu raconté à l'antenne. Alors, il a marqué son 11e but, hein, pour son 51e match de National. Lui qui avait été viré du centre de formation de Sochaux parce qu'il était trop frêle, parce qu'il a grandi tardivement, hein, à partir de 18 ans. Il était employé dans un rayon de supermarché à Belfort. Il a fait maçon. Bref, il se levait à 5h du mat pour aller bosser. Il a trimé et puis il s'est relancé à l'ASM Belfort, puis à Mulhouse. Pendant une saison avant d'être opéré par Strasbourg en 2013. Voilà, il revient de loin, ce lien-là. Bah oui, il y a toujours des belles histoires dans le foot. Hein. Il faut y croire jusqu'au bout. Il faut faire preuve de sérieux, se rendre compte où on a pu faire des erreurs, les corriger. Et après, tout peut arriver. Allez, il faut qu'ils se reprennent, hein, les joueurs de Colmar. Ouais, bien joué Grimm, bien lu. Et Bourg qui avait égalisé face au CAB et de nouveau mené 2-1, hein, à Bastia. Allez, Touré. Il va tenter sa chance de très loin, là, Touré. Et ça, c'est aussi un petit aveu d'impuissance. Hein. Ouais, et on va voir. Hein. J'ai l'impression que c'est Varsovie qui va rentrer. Alors, quel va être le changement? Est-ce qu'il va commencer à en parler à Bourgo pour qu'il en parle aux autres joueurs? En tout cas, Christophe Herrel, monsieur, va céder sa place à Jude Varsovie. Il souffre du pied, on le voit. Ah, très, oui, il boite, ouais. Il boite, effectivement. Oh, ça va être un gros coup dur, ça, pour la défense de Colmar. Ouais, et Damien Haute qui a du mal à trouver, hein, la bonne formule défensivement. Ouais, je pense que c'est... Alors, est-ce que c'est suite à ce qui lui est arrivé en première mi-temps, là où il a contré le ballon avec la cheville? Ah oui, c'est vrai. Il avait déjà été soigné à ce moment-là. Voilà. Et il a tenu un peu jusqu'à la fin. Oh, attention. Ouais, le ballon va être rendu au SRC.
Ouais, là, gros temps fort hein, du côté de Strasbourg. Ouais, avec la relance de Grimm dans les pieds d'Aguémon. Diaye. Et regardez, il ne peut plus y aller. Il ne peut plus y aller au contact, Erel. Ouais, c'est difficile pour lui. Hein. La transversale de Liénard qui a vu l'appel de Ndour. Ouais, faut que le changement intervienne vite. Prochain arrêt de jeu. Allez, attention à Sabot. Il est passé Sabot. Il a voulu la mettre dans la lucarne. Et ça passe au-dessus. Hein. Ouais, beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de prise d'initiative offensive. Alors on l'avait très peu vu faire ça, Sabot, en première mi-temps. Et là, regardez, il rentre sur son mauvais pied, mais il essaie de chercher la lunette opposée. Voilà, c'est officiel. Les gars, les chiffres de l'affluence viennent de tomber. Allez-y, je veux vos pronos. Laurent Dupuis, t'as le droit de jouer, si tu veux. Ah, 25 360. Ah, t'es pas loin, mais... 24 977. 25 096. C'est énorme. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a 24 000 places assises. Ils ont, il y a quelques autres places dans les coursives, ils ont été obligés de les ouvrir. Hein. Ouais, Nico, il y en a un peu plus en fait. C'est eux qui ont essayé d'en ouvrir que 25 ce soir. C'est ce que nous disait tout à l'heure Marc Keller avant ce match-là. Ils peuvent faire un tout petit peu plus que je pense que 25 voilà. 000. C'est eux qui ont essayé d'arrêter pour des raisons de sécurité. C'est ça. Allez, Christophe Erel qui cède sa place à la rentrée de Jude Varsovie. Un Martiniquais en remplace un autre. Coup dur. Hein. Coup dur pour Erel alors qu'il avait fait une très belle première période qui a marqué contre son camp et qui la sort sur blessure. Ouais, c'est dommage, hein, où il est parti contrer le ballon sur la fin de la première mi-temps. Et donc, premier remplacement du match, il est forcé. 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Et Colmar qui menait 1-0 et menait 2-1 à Strasbourg. Ouais, et c'est effectivement en fin de première période. Il a montré la faute à l'heure qu'il a reçue, il a montré l'endroit. Donc, c'est effectivement quand il a été touché près du poteau de corner en première période qu'il a blessé. Ouais, l'arrêt lui a fait plus de mal parce que c'était chaud encore sur la fin de la première mi-temps et puis l'arrêt. Oh, il est bon ce centre de Bourgo et la tête qui passe au-dessus. La tête de Youssouf Touré. Oh, bien joué, très bien joué Touré. Oui, il s'est fait mal lui aussi. Il a fait signe à l'arbitre. Il a pris le ballon en pleine tête. Hein. Il n'a pas pris le front, mais il l'a pris peut-être plein visage. Regardez Bourgo, sa qualité de centre, sa qualité de frappe. Ouais, ça élimine le joueur premier poteau. Et il n'a pas pris le crâne surtout de Chrétien. Si, ah, si, regarde, si, Chrétien tient le crâne aussi, ouais. Allez, il s'est relevé, il est solide, Touré. Ouais, ils ont encore quelques cartouches à tirer, quelques bons coups à jouer, les joueurs de Colmar. À eux d'y croire. En tout cas, si le score en reste ainsi, du moins si Strasbourg s'impose, ils vont faire une sacrée belle opération au classement. Parce que Boulogne, pour l'instant, ne gagne pas. Hein. Boulogne qui est à Avranches. On rappelle qu'ils sont à 5 points du podium au coup d'envoi de cette 21e journée, les Strasbourgeois. Oh, bien joué l'Aïfa. Et qui a trouvé Crillon. On fera le point, hein. Vous le savez, comme d'hab, à la fin de ce match. Sur le classement, les résultats. Pas de soucis là pour Okidja. Il cherche malgré tout la profondeur. Alors je cherche un peu. C'est Touré qui s'est replacé dans l'axe. Diawara sur le côté gauche. Alors est-ce que ça va durer ou est-ce que c'était suite à une action? Attention à ce ballon perdu là par les Colmariens. Aguémon face à Crillon, l'accélération. Le centre qui est dévié et encore un corner à venir pour Strasbourg. Ouais, c'est Varsovie hein, qui a dégagé un peu comme il pouvait ce ballon. Ah, il est allé percuter Yannick Aguémon. C'est ce qu'il doit faire. Je pense qu'il leur a demandé de prendre plus de risques dans les duels, dans le 1 contre 1, d'être plus agressif offensivement. Jackie Duguay-Perrou, il faudra voir ça avec lui. Mais ils sont bien plus mordants hein, offensivement, les joueurs de Strasbourg. Bien fait Fedrigo là. Ouais, bien sorti. Il y a la place. Ouais, dommage. Tiens, et à noter, tiens, on l'a pas souligné tout à l'heure, hein, on avait vu les compos en début de match. On vous le disait, Cédric Mensa, l'habituel titulaire dans les buts colmariens, est blessé à la clavicule. Fedrigo, le numéro 2, passe numéro 1. Et le numéro 3, c'est un jeune du club qui s'appelle Alexis Ismaël, qui est le fils de Valérien Ismaël, figure-toi, et qui a fait une partie de sa formation à Strasbourg, puisque son papa y a joué pas mal d'années. Bon, il n'y a pas d'enjeu. Il a couvert la meilleure. Avec Alassane Ndiaye qui a récupéré ce ballon, il va frapper. Oh, c'est le nom. Il a mis une mine. Alassane Ndiaye
si, on lui volera pas. Sixième but cette saison pour Ndiaye. Et Strasbourg qui fait le break juste avant l'heure de jeu. Quel but! Mais là, j'attends de revoir parce que... Il y a une erreur d'alignement défensif aussi. L'alignement, il y a une erreur, mais Federigo prendre ce but-là, premier poteau, même si la frappe, elle est violente. La main n'est pas assez ferme, j'ai l'impression. Il faudra revoir ça au ralenti. Mais il n'a pas hésité, hein, Ndiaye. Ouais, grosse erreur d'alignement. Et belle passe de Grimm, hein. Belle ouverture de Jérémy Grimm, l'ancien Colmarien. Regardez, il est premier poteau. Malheureusement pour lui, c'est vrai qu'il y a une erreur parce qu'il ne... Regardez, il la touche, mais il l'envoie vers son but. Il n'a pas la main assez ferme. Il n'est pas malheureux ce soir, Ndiaye, hein. Non, il tente sa chance. Alors, ça lui fait un but et demi, deux buts, un seul but. On va voir ça. Ouais, ils sont en train d'exploser, malheureusement, les... Allez, JP Sabot. Les joueurs de Colmar. Oh, le petit pont de Sabot, il faut le sur. Oh, carton à venir pour Meyer. Oh, carton à venir pour Loïc Meyer. Il est très en retard, hein, ouais, sur ce coup-là. Sur un festival de Sabot. Ah, mais on a l'impression qu'ils sont en feu en deuxième mi-temps, les attaquants de Strasbourgeois. Quatrième jaune cette saison en championnat pour Loïc Meyer. Et alors, c'est marrant, on en parlait tous les deux à la mi-temps, Sam. C'est vrai qu'on voyait très peu les ailiers strasbourgeois et Aguémon et Sabot. Bah, dès qu'ils s'enflamment, ça fait la différence. Bah, ça fait la différence, mais c'est un peu tous les joueurs offensifs de Strasbourg qui prennent des risques dans le duel offensif, qui vont vers l'avant, alors qu'ils faisaient très peu en première mi-temps. Ils prenaient pas tous ces risques en première mi-temps. Alors, on est pile poil à l'heure de jeu. Strasbourg mène 3-1 face à Colmar. Liénard pour frapper ce coup franc. Ouais, pas de souci cette fois-ci pour Federigo. Ouais, qui doit se rassurer. Hein. Alors, il était rentré en jeu en tout début de saison face à Marseille-Consola. Et déjà, hein, il avait été malheureux. Lui qui est passé par Guignon et Saint-Louis également avant de signer en 2006 dans cette équipe de Colmar. Voilà, attention encore à cette erreur défensive et c'est encore Ndiaye. Et de nouveau Ndiaye qui peut passer ce ballon. Oh, s'il le donne à Liénard, s'il le donne plus tôt. Il y a quand même un tout petit motif d'espoir pour Colmar. Souvenez-vous, le match aller, il menait 3-1 à 10 minutes du terme et finalement ça a fait 3-3. Ouais, c'est vrai. À 10 contre 11. Et si le scénario s'inversait? Mais là, ils ont l'air très très fragiles défensivement. Dès qu'ils perdent le ballon, genre de Colmar, alors attention. Allez, Bourgo. Ah, c'est difficile, il y a trois joueurs face à lui. Il trouve Chéri avec Crillon qui est monté. Tiens, lui qui avait marqué à l'aller. Ouais, c'est au-dessus. Il ouais, faut qu'il réussisse à retrouver une solidité, à retrouver leur jeu. Mais on pensait que ça ferait mal parce que c'était un peu la clé de voûte de cette défense, mais ça fait très très mal la sortie de RL. On l'a vu sur l'alignement, le mauvais alignement sur le but de Ndour. On l'a vu là sur la perte de balle dans sa moitié de terrain qui a failli donner une balle du but. Le but de Ndiaye, tu veux dire? Ouais, le but de Ndiaye, autant pour moi. Alors, c'est vrai que Meyer, il était quand même 2-3 mètres derrière les autres défenseurs. Hein. Ouais, donc voilà. Ça a déséquilibré la défense, cette sortie de RL. Allez, ballon dans les pieds de Seca. Allez, l'extérieur du pied pour Ndour. Oui. Ouais, il n'a pas de solution. Il demande des solutions. Allez, le contrôle raté de Sabot qui a failli marquer tout à l'heure. Ouais, alors que son équipe mène toujours 3 hein, face à Colmar. Ouais, c'est bien joué. La part de Mtir qui lui a mis la pression. Mais attention de ne pas perdre le ballon dans son camp. Oula, il a raté son dégagement, Federigo, mais ça va pas sortir. Si. Ouais, ils ont attaqué cette demi-temps comme alors, Federigo, j'allais dire tout à l'heure, hein, qui a un rôle très important dans le vestiaire, puisque c'est le numéro 2, il est au club depuis 2006 déjà. Et c'est vrai qu'il a un rôle très important dans le groupe et il accepte hein, sans problème sa place de numéro 2. Hein. Aujourd'hui, on ne met plus de concurrents chez les gardiens, que ce soit au plus haut niveau ou que ce soit. C'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est un vrai poste, hein, être numéro 2. Oui, mais c'est devenu comme ça. Il n'y a plus de concurrence parce qu'on sait que ça déstabilise, ça amène de l'insécurité pour le titulaire. Et aucun des deux n'est gagnant. Alors qu'on revoit hein, cette frappe. Ouais, c'est pas très bien boxé, la main n'est pas très ferme. Et aujourd'hui, on le voit, on va prendre l'exemple que l'on connaît chez nous, le PSG, Duchesse, il est numéro 2, c'est son rôle. Il y a des contre-exemples hein, quand même maintenant, y compris dans les grands clubs. Souviens-toi le Real la saison dernière. Ouais. Le Barça, cette saison. Ouais, c'est vrai, il y en a quelques-uns.
En même temps, le Barça est à 1 et 1-2. Ouais. Mais il y en a un qui joue. Ce que je veux dire, ouais, bah, tu me diras, il joue pas la Ligue des Champions. Ils alternent les quelques compétitions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des clubs, on préfère ne pas cette concurrence entre le numéro 1 et le numéro 2. Mais on prend des numéros 2 très forts aussi. 64e minute de jeu à la Méno. Plus de 25 000 spectateurs pour ce choc de national. 21e journée. Strasbourg était mené 1-0 face à Colmar, son voisin. Et voilà qu'il mène 3-1 et que sa boîte avec. Oh, il s'est fait bouger là. Irrégulièrement par Malik Mtir. Ouais, qui a été un peu trop fort avec sa charge à l'épaule. Il s'énerve, hein, les Colmariens. Ah ouais, il... Je pense qu'il y a une injustice. C'est vrai qu'on peut jouer à l'épaule, mais là, je ne sais pas si le ballon était entre deux. Je ne pense pas. Regardez. Il avait mis un petit coup du sombrero. Ouais, il le sort quand même du jeu. Avec beaucoup trop d'engagement. Attention, l'homme premier poteau, parce que ça risque de couper. Allez, Lienard s'élance. Allez, c'est bien dégagé. Ouais, d'où l'importance hein, d'avoir un joueur premier poteau. Oula, attention à ce mauvais contrôle de Sabot. Ouais, bien joué Seka encore. Oh, le bon ballon d'Ernest Seka pour Lienard. Il est pas en jeu, Dimitri Lienard. Il est déjà dans la surface. Et le centre qui est dégagé par la défense colmarienne. Ouais, il a attendu d'atteindre la ligne de fond pour centrer alors qu'il aurait dû centrer avant dès qu'il a orienté son ballon. Ah, ils ont du mal à se ressortir ce ballon proprement, les hommes de Damien Hott. Ah, ils ont du mal à se monter de nouveau dangereux, mais il faut qu'ils aillent réduire le score pour y croire encore. Allez, Grimm est passé. Ouais, bonne ouverture de Grimm pour Aguémont, qui est plus rapide là que Crillon. Il n'est pas sorti ce ballon. Allez, il va les provoquer, Aguémont. Ouais, qu'est-ce qu'il a signalé l'arbitre hein bah... C'est Ndiaye qui a mis au sol. J'ai pas vu. Moi j'ai vu. Un peu surprenant. Alors qu'il n'était pas concerné par l'action. Il y a eu une lutte. De la lutte plus précisément. Alors on voit la belle ouverture hein, tout à l'heure. Regardez, c'est à ce moment-là qu'il doit centrer. Il attend trop. Et ça permet le retour défensif. Là, c'est là il fait un qui tacle ce ballon. Strasbourg repart. Et c'est finalement repris par Mtir. Et il est passé Malik Mtir. Il est bon ce ballon de Mtir au point de pénalty. Et super couverture de Chrétien. Ah ouais, mais regardez. Les lignes commencent à être étirées. Il y a de la place au milieu du terrain. Ça sent le chaos. Hein. Et Naïfa qui va céder sa place. C'est Mouklif qui va entrer en jeu. Ouais, il va y avoir du changement du côté de Colmar. Le voilà, Laïfa, c'est l'un de ses derniers ballons donc. Et il est passé, le franco-algérien. Encore Laïfa, le petit festival. Oh, il a failli récupérer ce ballon, Diawara. Ouais, il a fait une faute avant hein, sur Sikimic, mais l'arbitre a considéré que les Strasbourgeois avaient récupéré le ballon. Laïfa encore. Ouais, belle passe en rupture. La petite déviation de Touré, c'est bien fait là pour Diawara. Oh, le retour de Seka. À la limite. Hein. Est-ce qu'il le touche? J'ai l'impression qu'il touche le ballon. Il proteste pas Diawara. Ah, mais c'était finement joué, regardez. Cette déviation de Touré. Il touche le ballon. Il prend le risque. Ouais, j'aimerais bien le revoir une troisième fois. Alors attends, on va devoir suivre cette action strasbourgeoise. Il va nous remettre ça, Raphaël Gaborio. Oh là là, une passe pour Lienard, ça. Ouais, alors qu'on peut mettre simplement en touche. Oh, c'est bien fait, Lienard. Il est passé. Oh, Lienard encore. Il s'en bat, Lienard. Oui. Oh là. Il en a rajouté un peu, Lienard. Alors qu'il avait fait la différence. Ouais, mais c'est. Et il obtient un coup franc quand même. Hein. Ah, mais alors on va revoir ça parce que. Tu veux dire on a vu des coups francs ou des pénaltys signalés pour moins que ça, c'est ça? Il touche le ballon, mais il est derrière. Hein. J'ai pas l'impression qu'il touche le ballon. Ouh, c'est très dur le métier d'arbitre. Quand on fait un geste comme ça, c'est suspect quand même. Hein. Allez, Sabot pour frapper le coup franc. Allez, chérie.
Oh, la Chéri qui a perdu le ballon et c'est encore Liénard. Il est euphorique. Liénard, il fait un match énormissime. Ah, il est très bon sur cette seconde mi-temps. Daguémont face à Crillon. Il est bon le centre d'Aguémont. Ouais, mais ça coupe pas le ballon dans cette surface. 5 corners à rien pour Strasbourg dans ce match. Ils sont en train de souffrir énormément les joueurs de Colmar. Alors que Mourcli attend toujours de rentrer. Genre plus offensif d'ailleurs que l'AFA. En attendant, Strasbourg va jouer ce corner. Ouais, il n'arrive pas à sauter ce joueur premier poteau sur ses corners, Liénard. Allez, il va jouer 20 bonnes minutes, Mouklil, Abdel Mouklil. Milieu off de 32 ans, franco-marocain, qui a marqué 3 buts cette saison en championnat, 1 en coupe. Ouais, ce serait le moment, comme on dit, de réduire le score pour Colmar, pour enflammer la fin de match. C'est un joueur de l'Estac, notamment Mouklil. Alors que c'est fini sur les autres terrains de National, sachez que Bourg a arraché le nul finalement face au CAB en Corse 2-2 et qu'il n'y a pas eu de but entre Avranches et Boulogne. Donc c'est vraiment une belle opération au classement pour Strasbourg s'il s'impose ce soir, les Strasbourgeois. Ouais, ça et puis ça peut être une bonne opération pour le Red Star s'il s'impose demain à 15h. Ce sera à suivre sur ma chaîne Sport face au PFC. Ouais, c'est un championnat qui se resserre. Allez, on est rentré dans les 20 dernières minutes de ce derby alsacien entre Strasbourg et Colmar. Bon ballon de Mti. Allez, Mouklil. Ouais, qui est devancé par Seka. Ouais, qui dégage son camp. Ouais, faute normalement, l'arbitre ne siffle pas. Allez, Touré avec Rion. On va faire un premier changement défensif du côté de Strasbourg, du poste pour poste, avec Sikimic qui va céder sa place à Salmier. Oui, alors c'était l'une des incertitudes au coup d'envoi. Alors il revient à la compétition, Sikimic, on le rappelle, lui qui avait été victime d'une fracture des côtes il y a quelques semaines. Ça n'a pas été un match facile, mais bon, comme ils ont dominé sur la seconde mi-temps, puis dominent je dirais, parce que la deuxième mi-temps n'est pas terminée. Oh là là, oui. Assez dur pour Colmar. Ouais, mais il faut qu'ils y croient encore, il faut qu'ils essaient déjà de réduire le score. Alors c'est assez rare quand même qu'un entraîneur change ses défenseurs centraux quand il n'y a pas de blessure. Ils aiment pas ça, mais ils sentent que voilà, il n'a pas 90 minutes dans les jambes, il revient de blessure. La fin de match peut être difficile. Ouais, même si Milovan Sikimic n'a pas l'air de comprendre la décision, on l'a vu hocher la tête. Et la rentrée du jeune Johan Salmier qui est arrivé l'été dernier à Strasbourg, lui qui est né à Villiers-le-Bel, ce défenseur de 22 ans qui a grandi à Sarcelles, qui était en DSR la saison dernière à Saint-Brice-la-Forêt. Ouais, c'est bien pour lui, c'est une belle histoire. Il a arrêté le foot à 15 ans parce qu'il avait des problèmes de croissance, Salmier. Il a passé un DUT en technique de la commercialisation en attendant. Voilà, il y a pas mal de profils comme ça en national également. Il y en a un d'ailleurs du côté de Colmar qui a une belle histoire aussi, c'est Chéré, qui est diplômé en pharmacie. Oui, non mais c'est un peu, je dirais, ces joueurs de national, des joueurs de la deuxième chance, qui n'ont pas réussi à percer dans les centres de formation, qui ont joué dans les rangs amateurs, CFA, CFA2, qui ont travaillé dans le civil et puis qui se retrouvent un peu dans ce championnat. Oh, y a un joueur de Strasbourg qui est resté au sol, ouais, c'est Liénard. Il a des crampes. Il faut dire qu'il a tellement couru dans ce match, Liénard. Il a dignement fêté ce soir ses 27 ans. Nicolas, juste un petit mot avec Milovan Skimic. Vous êtes en train de résumer une très très bonne deuxième période pour l'instant avec ses deux buts.
Bah oui, on a bien commencé la deuxième mi-temps comme la première. Après, on a lâché un petit peu, on a baissé le rythme au milieu de première mi-temps, on s'est fait surprendre. Mais je pense qu'on maîtrise le match complètement et il faut continuer comme ça et enfoncer le clou. Voilà. Sur un plan personnel, tu n'avais pas encore 90 minutes dans les jambes ? Moi, oui, j'ai pas. Et en plus, ça fait un mois que je ne me suis pas entraîné. La côte, elle a souffert un petit peu et j'ai préféré laisser la place à Yo qui est à 100%. Voilà. Merci, Milan. Ouais, voilà, on a l'explication. Merci, Laurent Dupuis. Milovan Sikimic qui ne sortait pas 100% avant de terminer ce match. Hein. On a l'explication, on a aussi la bonne analyse. Hein. Ils ont bien attaqué la première mi-temps, après ils se sont fait surprendre. La deuxième mi-temps, ils l'ont bien attaqué, mais ils veulent encore enfoncer le clou. Parce qu'ils ne sont pas à l'abri si jamais Colmar réduit le score. Allez, ça chambre à la mélo. Et Nico, il y a Olivier qui va faire centrer sur la pelouse. Ah, lui qui avait été très très bon face au PFC. Exactement, il va remplacer Liénard. Ah bah alors là, c'est un cadeau pour Liénard, hein, pour le soir de son anniversaire. Il va avoir droit à une standing ovation, hein, Dimitri Liénard. Et Oliveira qui revenait après 6 mois d'absence face au PFC qui avait été très bon. Ça avait été l'homme du match de Raymond Domenech. D'ici quelques minutes, il va falloir que tu choisisses le tien aussi, Sam. Oui, mais attention parce que il y a un joueur qui reste au sol, Ndiaye, du côté de Strasbourg. Il va pas falloir se précipiter peut-être sur les changements. Hein. Oula, attention là, un tir qui s'est fait stopper. Il laisse jouer l'arbitre. Et là, ça y est, ça commence à s'envenimer entre Sabo et Mtir. Oula, oui. Ndiaye qui a été au contre. Et la cheville, elle a pris, hein, j'ai l'impression. Mais ça va, il se relève. Alors, on va l'écouter, cette standing ovation. 27 ans ce soir, joyeux anniversaire Dimitri Liénard. Il a bien fêté ça. Ah oui, parce qu'il a marqué un but importantissime. Ce but du 2-1 qui redonne l'avantage aux Strasbourgeois. Et on le revoit son but. Et on le revoit ce merveilleux coup franc dans la lucarne de Fedrigo. Ah ouais, juste au bon moment. Allez, le franco-portugais Stanislas Oliveira qui dispute donc son deuxième match cette saison en championnat, milieu de terrain de 26 ans, passé par Rouen, Sedan et Boulogne-sur-Mer. Oh, bien fait ce ballon à la limite du hors-jeu là. Ouais, bien couvert, Dour. Est-ce qu'on trouvait la ressource? Il leur reste un quart d'heure là, les Colmariens. De faire un gros dernier quart d'heure. Allez, Bourgo. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de bonne compensation du côté des Strasbourgeois. Ouais, là, c'est Grimm, hein, qui est venu défendre. Ouais. Ah, il a sur rien. Là, ils sont morts dans le ballon, les Strasbourgeois. En tout cas, si Damien Hodge s'incline ce soir encore, ça fera un point sur les 6 derniers matchs pour Colmar. Et ça ferait un 5e match d'affilée sans défaite pour Strasbourg. La courbe complètement différente pour ces deux équipes. Ça ferait même une victoire sur les 10 derniers matchs pour Colmar seulement et une seule défaite sur les 9 derniers pour Strasbourg. Ouais, qui se replacerait hein, comme un candidat sérieux à la montée. Allez, Grimm. Oh, elle est belle cette ouverture de Grimm, mais bonne couverture aussi de Meyer. Ouais, bien joué. Je pensais qu'il allait être battu. Il a bien couvert son espace. Allez, Sabo. Il est tout seul, hein. Sabo, il n'est pas attaqué. Allez, ballon repris par Bourgo. Il a vu l'appel de Mouklil. Ouais, mais il l'a pris trop pleine, hein, cette balle, alors qu'il voulait prendre un peu Esther. Allez, bon retour d'Aguémon. Et c'est Grimm qui va relancer le Racing. Ouais, faut pas qu'ils perdent leur ambition et leur jeu offensif, hein, les Strasbourgeois. Parce qu'il suffit d'une réduction du score pour tout remettre en jeu. Ouais, elle lui a échappé des matchs, Lyon, cette balle. Qui a une coupe de cheveux très singulière, hein, Judicaël Crillon. Oh, sur le
Allez, Jude Varsovie à la lutte avec Ndiaye qui est passé. Ouais, bien défendu, il s'est bien repris là, Varsovie. Ouais, parce qu'il nous semblait battu. Oh là là, mauvais dégagement de Varsovie. Et le centre d'Aguémon, dégagé par Meyer. Allez, Ndour. Qui demande encore des solutions. Attention de ne pas perdre ce ballon de haut but. Il faut lui donner des solutions. Ouais, Mayor Ndoye en difficulté. Hein. On va profiter, messieurs, pour poser une petite question et souhaiter déjà un bon anniversaire à Dimitri Liénard. Un anniversaire que tu as fêté de la plus belle des manières avec un superbe but. Oui, voilà. J'ai mis un super coup franc. Je le dédie à mon papa qui est devant la télé. Je pense qu'il peut être content de moi et à tout ce public qui nous soutient là. C'est magnifique et j'espère qu'on a fait le plus dur en marquant le troisième. Et voilà, il reste 10 minutes. Il faut aller un quart d'heure. Il faut qu'on soit costaud, pas prendre de but pour se faire peur et puis pouvoir finir la fête avec nos supporters. Et puis souviens attention du match aller, vous avez réussi à marquer. Bon, attention, Ndiaye qui récupère encore un ballon et l'arrêt de Federico. Ouais, je l'ai vu comme le match aller où vous meniez, vous étiez mené 3-1 à 10 minutes et puis finalement ça avait fait 3-3. Voilà, exactement. On sait que dans le football tout va vite. On a vu Iser en Coupe de France qui gagnait 1-0 à la dernière minute. Et voilà, il faut être vigilant, mais je pense qu'on a le match en main. Et je pense que si on fait pas n'importe quoi, on devrait gérer ce résultat jusqu'à la fin du match. Merci Dimitri. C'est vrai que quand on est sur le terrain, bon, des fois on mène 2-1, mais on sent que c'est chaud, qu'on peut se faire rattraper parce que l'adversaire nous presse. Mais là, même dans les attitudes et dans ce qu'a dit Liénard, les joueurs sentent qu'ils ont vraiment pris l'ascendant face à cette équipe de Colmar, tout simplement. Il faudrait vraiment un coup du sort heureux pour que Colmar réussisse à réduire le score déjà. Ah bah là, on est plus loin du miracle, hein, à 10 minutes de la fin. Allez, belle fin de corps là. C'était Diawara et bonne couverture de Seka. Ah, c'est vrai qu'on est. C'est surtout par rapport à ce que Colmar développe. Là, on les voit pas réduire le score. Bon, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. En seconde période, ça a été très dur. Hein, ouais, eux. Voilà, ils ont subi toute la. Ils subissent encore. C'est Strasbourg, voilà, qui a le match à sa main. Ouais, Dimitri Liénard qui saluait son papa qui est devant sa télé sur devant ma chaîne sport. En tout cas, monsieur Liénard, vous avez accouché là d'un beau frappeur de coup franc. Hein. Ouais. Et puis Jean-Philippe Sabot qui va céder sa place, Nicolas et Samuel, et c'est Bellamer qui va entrer en jeu. Ouais, tout le monde va participer. Et monsieur Sabot qui nous regarde aussi, c'est vrai, qui est JP aussi, d'accord. Jean-Pierre, du côté de Gouvieux. Allez, 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le Racing Strasbourg qui mène 3-1 face à Colmar après avoir été mené à la demi-heure de jeu. Ouais, et qui domine hein, vraiment cette seconde mi-temps. Elle a été constante cette équipe de Racing au niveau de son jeu en seconde mi-temps. Allez, dernier remplacement pour Strasbourg et la rentrée d'Abdelhak Bellamer. Ça faisait un petit moment qu'on le voyait plus, le jeune franco-algérien. Et la sortie de Jean-Philippe Sabot, l'ancien Marseillais. Et merci d'encourager l'entrée. Ouais, on va un petit mot avec Damien. J'imagine que tu es déçu de la deuxième période de ton équipe. Je suis pas déçu, on prend encore un coup de pied arrêté. Après, ouais, c'est difficile de revenir. On a été parti des bonnes intentions, mais bon, c'est pas fini. Ah, il y croit encore, Damien Haute. Bah, il a raison, il est entraîneur. Tant que le coup de sifflet n'est pas donné sur la fin du match, il sait que sur un coup heureux, s'il réduit le score, voilà, on sait que Strasbourg, c'est une équipe un petit peu irrégulière, qui a des coups de moins bien dans une saison ou dans un match. Elle peut céder à la panique si jamais il y a réduction du score. Allez, Touré, le 1-2 avec Diawara. Allez, bon retour là. De Ndour, qui a fait un bon match lui aussi. Oui, il a été bon. Techniquement, il a été bon dans ses contrôles, dans ses choix. Oh, ça devient joué, le 1-2. Avec. Ouais, il y a faute. Il revient à la faute d'ailleurs. Ouais, s'il revient à la faute, il doit mettre le carton. Ouais, et c'est ce que réclame d'ailleurs Jackie Duguay-Pérou. Ouais, sur cette superbe remise, il remet le ballon, il repart dans le dos. Allez, coup franc frappé par Chrétien. Allez, Aguémon. Toujours face à Crillon et il est contré. Ouais, c'est qui encore qui remporte ce duel?
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas trop. C'est autant quand on prend un coup de pied arrêté et que voilà, il y a de la lutte, il y a une lutte entre deux joueurs et puis il y a un joueur adverse qui prend l'ascendant sur votre adversaire direct, ou il y a un joueur qui est seul, qui n'est pas pris au niveau du marquage, on peut dire ouais voilà, c'est dommage, on prend un but sur coup de pied arrêté. Mais là c'est un coup de pied arrêté direct où je ne vois pas vraiment d'erreur. Peut-être un placement du gardien, mais je ne vois pas d'erreur. Non mais il y a le premier peut-être. Ah non non mais. Quand l'entraîneur de Colmar, Damien Haute, parle de coup de pied arrêté, il est en deuxième mi-temps, on prend encore un coup de pied arrêté, mais là c'est un coup de pied direct. Bon, oui, mais enfin, c'est, après, c'est objectivement, il prend encore un coup de pied arrêté. Ouais, mais il n'y a pas d'erreur de marquage de qui que ce soit, il n'y a pas de. Voilà. C'est pas comme si un joueur avait s'était oublié au niveau du marquage ou n'avait pas été bien positionné. On peut incriminer qui ? Peut-être le mur, peut-être le gardien qui aurait dû être mieux placé. Ou peut-être le fait qu'il y ait coup franc à cet endroit-là aussi. Là, oui, peut-être. Avoir été battu dans un duel, avoir concédé une faute. Allez, chérie. Allez, Colmar qui fait tourner le ballon, mais ils sont loin. Ils sont loin, les Colmariens, du but d'Alexandre Okidja. Ouais, les Strasbourgeois jouent plus bas, regardez, et essaient de récupérer, d'aller chercher ce quatrième but sur un contre. Ils vont plus trop harceler. Faut attention de ne pas perdre. Ils laissent le ballon au premier relanceur de Colmar. Ils ne mettent pas de pression. En tout cas, ils sont prolifiques, hein, les matchs entre Colmar et Strasbourg. Il y avait eu 3-3 au match aller. La saison dernière ici, il y avait eu 2-1 pour Colmar. Au match aller, il y avait eu 2-1 pour Colmar également au Stadium. Et il y avait déjà eu un CSC d'ailleurs, de Chéré. Bon, attention à ne pas perdre le ballon. Tir. Ouh, il est mal engagé. Ouais, et il va être obligé de concéder la touche là. À ouais. La lutte avec Bellamer. Ah, mais dès le début, on le sentait. Hein, quand il commence comme ça à courir vers son but, pas vraiment de joueur qui se démarque pour lui donner une solution. Il reste 5 minutes à jouer, mon cher Samuel Lobé. Va falloir que tu nous désignes ton homme du match. On rappelle les buteurs quand même. Diawara du côté de Colmar à la 30e. L'égalisation, le CSC de Christophe Herrel. Alassane Ndiaye a marqué. Et Liénard aussi auparavant à la 49e. Un magnifique coup franc direct. Ouais, bah son papa nous regarde. Il a fait un bon match. Un joueur que j'aime bien. Que c'est moi, son anniversaire. C'est son anniversaire. Moi, c'est un joueur que j'ai découvert quand j'ai commenté le premier match cette année contre Chambly. J'avais trouvé bon avec son pied gauche. C'est Dimitri Liénard donc. Ouais, je pense qu'il le mérite. Alors j'hésitais entre lui et Ndiaye. Parce que Ndiaye, il a été. Il est bien dans tous les bons coups. Ouais, Ndiaye a été dans tous les bons coups, Liénard aussi. Allez, ça va pencher pour Liénard parce qu'en plus c'est son anniversaire. Alors Ndiaye, tu devras attendre le 14 juin pour le désigner du match. C'est son anniversaire. Ah, je pense qu'avant il fera des prestations. On lui souhaite. J'espère qu'il joue pas que bien le 14 juin parce que c'est pas souvent dans la saison. Oui. Et puis surtout, le championnat est terminé. Quoi. Oui, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça. C'est un peu ennuyeux. 25 096 spectateurs. C'est énorme. Hein. C'est l'affluence du soir. Là aussi, il y a un record. Hein. Alors, l'homme du match, il y en a 25 096 aussi. Hein. Ils sont à la Méno ce soir. Ils ont été présents. Ils ont envie de retrouver. Et il y a même là-haut, là, tiens, à la Méno. Ils ont envie de retrouver un club de Strasbourg au plus haut niveau. Oh, bien joué. Ouais. La Méno est en fusion. Attention à cette offensive pour Colmar. Belle intervention de Seka, c'est pas fini, l'extérieur du pied de Mouklil. Pas de souci pour Okidja. Il n'y avait pas assez de monde, pas assez de présence. Mais c'est vrai qu'au travers ça, les 24 000 spectateurs qui viennent pour ce match. 25 000, on sent qu'il y a une attente, qu'il y a une envie de retrouver le haut niveau et qu'il y a un vrai potentiel. Non mais c'est une vraie anomalie. Jacky Duguay-Perrault le dit souvent, hein, il le répète. Hein. Oh là là, attention à Aldour. Hein. Il est pas hors jeu le Sénégalais. Et il est bon ce centre. Allez, ballon que va récupérer Meyer. Allez, Chéri qui s'est arraché pour remettre ce ballon dans les pieds de Bourgault, qui est encore bien pris au milieu de terrain. Ah, ils ont été vraiment bien meilleurs aussi. Ndoye et Grimm en seconde mi-temps. Alors est-ce que c'est eux qui ont imprimé le tempo? Ils ont récupéré plus de ballons. Ou alors est-ce qu'ils ont pris une soufflante à la pause aussi? Bellamer qui s'est fait sécher par Chéri. Ouais. Mais je pense, comme tu dis, que toute l'équipe a pris une soufflante à la mi-temps. Il faudra que Laurent Dupuis demande ça là à Jacky Duguay-Perrault. La teneur de son discours à la mi-temps. Parce qu'il ne devait pas être très satisfait de ce qu'a fait son équipe. Il devait trouver que c'était pas assez, je pense.
Avec carton jaune pour Sébastien Chéré. Le troisième cette saison en championnat pour l'ancien milieu de terrain du SAS d'Épinal. Alors le voit. Ouais, il est en retard hein, face à Bellamer. Elle est plus vif. Allez, on va suivre ce coup franc qui va frapper Stanislas Oliveira. Est-ce qu'il va chercher le second poteau? Est-ce qu'il va nous faire une Liénard? Ou est-ce qu'il va chercher le point décimètre opposé pour un joueur qui coupe pas? Allez, Oliveira, qui n'a jamais marqué en national hein, d'ailleurs. Ouais, il va la tenter direct. Pas de soucis pour Federigo cette fois-ci. C'eût été historique pour lui hein, s'il avait marqué, puisque il n'a jamais marqué en national, Stanislas Oliveira. Pourtant, il en a eu hein, des matchs dans cette compétition. Allez, Bourgo, jugé par Grimm. Allez, un coup de pied arrêté. Là, il faut qu'il s'engage, il faut qu'il attende, qu'il y ait du monde. Ah ouais, qu'il monte aux avant-postes. Frappé dans la surface de réparation, la tête de Crayon. Ouais, dégagement de Chrétien. Ouh, attention, il est resté debout. Il est bon, il faut, ouais. Du franco-béninois. Allez, coup de bombe magique là de Johan Hamel. Ouais, c'est un de leurs leur derniers coups. Alors, vous savez que cette bombe elle a été inventée par les Sud-Américains. J'en profite pour vous rappeler, si vous ne le savez pas déjà, et bien que la Copa Libertadores, la Ligue des champions d'Amérique du Sud, elle est à suivre cette saison sur ma chaîne sport. Donc, belle compétition. Et puis demain, il y aura aussi un autre derby à suivre sur ma chaîne sport à partir de 15h. Red Star Paris FC choc du haut de tableau en plus. Hein. La grosse affiche de cette journée. Allez, attention à ce coup franc. Bon, c'est frappé direct, c'est dévié. Premier corner du match pour Colmar. Hein, dans le temps additionnel. Ouais, allez, il faut qu'il le joue vite. Ouais, il y a une main. Il hein. Y a une petite main d'Undoy. D'ailleurs, c'est ce que dit Bourgo. Hein. Ah, ouais, 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 oui, ouais, oui. Bah, le coup franc, elle est intentionnelle, hein, celle-ci. Hein. 3 minutes de temps additionnel. Il est bien frappé hein, ce corner. Ouais, bien dégagé au premier poteau. Allez, remise de la tête. Ça revient encore. Les belles sorties d'Oukidja. Qui capte parfaitement ce ballon. Ouais, qui calme tout le monde. Ça rassure. Hein. On a un gardien qui s'impose comme ça dans les moments chauds. Allez, qui est passé par Guignon avant de partir 6 ans à Lille. D'ailleurs là-bas, il était à Lille à la période où Vahid Halilhodžić était entraîneur. Lui qui est né d'un papa algérien, Alexandre Oukidja. Et lorsque Vahid a repris les Fenech, eh bien, il avait un œil sur Oukidja. Il pensait l'appeler également. Ouais. Alors il a trouvé son bonheur avec Raïs Mboli hein, par la suite, Vahid. Il y avait Zemamouche aussi, le fantasque Zemamouche. Allez, bon ballon dans l'intervalle. Et c'est lui qui va l'accompagner cette balle. Il la joue. Il aurait dû la jouer plus vite hein, parce qu'il avait le temps de la dégager. Allez, Alassane Diaye. Allez, bon décalage. Bellamer est frais, il est rentré tout à l'heure et il va accélérer. Abdelhak Bellamer. Il va aller s'enfermer, Bellamer. Oh, il est passé, Bellamer. Il est passé, Bellamer. Oula, oh là, le de Crayon. Ouais, carton jaune pour Judicael Crayon à la limite de la surface. Un bel exploit, en tout cas, d'Abdelhak Bellamer. Hein. Ah, il les a déposés tous les deux. Il est rentré à l'intérieur. Ouf, regardez. Il est déséquilibré, il est battu. Ah, c'est un plaquage, là. Ouais, ouais, ouais. Dans sa chute, il déséquilibre Bellamer. Ah,
Allez, 30 secondes à jouer dans le temps additionnel. Yannick Aguémon va frapper l'un des derniers coups francs de ce match. Ils vont jouer en deux temps d'ailleurs, Ndiaye et Aguémon. Ouais, c'est dommage qu'il y avait un coup pas, à jouer. Ouais, ouais. Qu'il ne se donne pas une dernière occasion d'aller devant le but. Et en plus, tout ça pour perdre le ballon derrière, hein, pour faire une faute. Ouais. Allez, Diawara. Avec Meyer. Et c'est terminé. Et c'est Strasbourg qui remporte ce derby alsacien. Victoire 3 buts 1. Alors que les Strasbourgeois étaient menés 1-0, eh bien ils s'imposent finalement 3 buts 1. Samuel Lové qui va pas tarder à aller retrouver son homme du match, à savoir Dimitri Liénard, lui qui a inscrit le deuxième but du Racing. Un merveilleux coup franc direct frappé par Dimitri Liénard. Diawara avait marqué le premier but à la demi-heure de jeu. L'égalisation, c'était un CAC Derel. Le but d'Alassane Ndiaye. Avant ça, il y avait le but de Liénard d'ailleurs. Ouais. Et on va retrouver Laurent Dupluy avec Jackie Duguay-Perrault, un entraîneur heureux. Jackie, qu'est-ce que tu leur as dit à la mi-temps? Parce qu'on les a sentis des habitants complètement transfigurés, tes joueurs. Non, je pense que. Je pense qu'on n'a pas été payé en première mi-temps. On s'est pris un contre. Sur ce contre, je pense qu'il y avait au moins une main sur les deux. Et puis peut-être un pénalty pour nous. Donc on a été malheureux sur la première mi-temps. J'ai simplement dit de continuer à jouer en deuxième mi-temps et puis qu'on serait récompensé parce qu'on le mérite. Ouais, parce que c'est un gros match hein, ce soir devant un beau public, une belle ambiance, un record de spectateurs battus. National, ça vaut plus haut que ça quand même. Hein. C'est ça, ça donne envie d'aller plus haut. C'est grâce aussi à l'adversaire qui a permis qu'on fasse un match comme ça. Ce soir, quand on regarde le classement, vous revenez à deux points, les équipes comme Boulogne, comme Bourg. J'imagine que ça ouvre l'appétit. Non, mais on sait que depuis quelques temps, on a le potentiel pour aller... Pour aller un peu plus haut maintenant, il ne faut pas se gargariser, il faut relativiser tout ça. Ouais, en tout cas, ce soir, c'est une belle fête et une belle victoire. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Merci, Jackie. On va peut-être attendre aussi un joueur strasbourgeois ou peut-être aller voir aussi Nicolas, un joueur de Colmar. Moi, tu préfères rapidement peut-être disséquer les tableaux cette soirée. Non, bah si t'as quelqu'un sous la main, alors allons-y si t'arrives à avoir quelqu'un. En fait, c'est un peu loin, mais on peut peut-être on va trouver un joueur, on va aller chercher Sébastien. Et ben on va faire le point, Laurent, dans ce cas-là. On va voir ce qui s'est passé sur les autres pelouses de National, puisque tu viens de le dire à Jackie Duguay-Perrault. Il y a pas mal de changements hein, avec cette victoire strasbourgeoise, alors que là, il y a un petit peu d'échauffour également à l'entrée du tunnel. Allez, le point sur les autres résultats de cette journée. Et la joie strasbourgeoise en tout cas, grosse perf, hein. Et on rappelle, hein, bravo également à tous les spectateurs qui sont venus voir ce match, hein. Plus de 25 000 spectateurs pour assister à ce derby entre Strasbourg et Colmar, 25 095 je crois exactement. Il y avait déjà eu un record la saison dernière entre ces deux équipes, hein. Plus de 20 000 personnes étaient venues assister à ce match. Et Strasbourg qui en tout cas fait la belle opération de cette journée, qui revient à deux points des équipes de tête, alors à part le PFC qui reste solide leader. Et d'ailleurs, on profite pour vous rappeler que demain, il y a le derby entre le Red Star et le PFC à suivre. Prise d'antenne 14h demain sur ma chaîne Sport pour le derby francilien. Allez, on les a cette fois-ci. Ils sont là, les résultats des autres matchs de cette 21e journée de National. Avec Champly qui a fait match nul dans un autre derby face à Amiens, 2 buts partout. Pas de but entre Boulogne et Avranches, pas une très bonne opération pour les Boulonnais qui sont qualifiés d'ailleurs en Coupe de France. Bourg qui a arraché le nul à Bastia, 2-2, ils ont été menés deux fois au score. Dunkerque s'impose 3-1 face à Épinal. Istres s'impose 1-0 face à Colomiers. Marseille-Consola qui poursuit sa remontée s'impose 2 buts 1. Et le match entre Fréjus et Luçon a été reporté en raison des conditions météo. On fera le point sur le classement un peu plus tard. On va peut-être retrouver Laurent, je sais pas si t'as quelqu'un sous la main. Ouais. Oui. Ouais, effectivement, avec Sébastien Chéret, j'imagine ce soir. Grosse déception, vous pensiez avoir peut-être fait le plus dur en ouvrant le score. Et puis après, on a l'impression qu'au deuxième mi-temps, vous avez eu du mal à exister. Ouais, bah, c'est ça. Y avait match nul à la mi-temps et pour nous, ça restait un bon résultat. Et on voulait repartir en deuxième mi-temps avec un peu plus d'intention offensive. Malheureusement, on fait des erreurs, on prend des buts. Et puis voilà, on voit qu'on n'est plus la même équipe qu'au début de saison. On joue, on est timoré. Ce que je vous dis, psychologiquement, on n'est pas au mieux et voilà, et on n'arrive pas à jouer. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné encore une fois? Qu'est-ce qui ne va plus en ce moment?
Je sais pas, le problème c'est que moi je pense que on attend d'être mené pour se libérer et on attend d'être dos au mur pour essayer de jouer notre football et voilà, c'est toujours trop tard parce qu'on court toujours après le score. Même si là on avait fait le plus dur, on menait 1-0, voilà, on s'est pas procuré une occasion en première mi-temps. Voilà, on a du mal à jouer comme au début de saison et je pense que voilà, c'est dans les têtes, c'est tout. Qu'est-ce qui prédomine ce soir? C'est la frustration, la colère, l'énervement, le dégoût? Quels sont les sentiments que vous animent le plus? Oh, c'est plus de la colère parce que pour moi on peut faire beaucoup mieux et je pense que si on arrive à retrouver notre jeu du début de saison, des matchs comme ça, je dis pas qu'on les gagne haut la main, mais on existe plus. Et voilà, c'est de la colère et c'est des regrets parce qu'on joue contre nature. Et des matchs comme ça, on doit pas jouer contre nature. Merci beaucoup Sébastien, merci pour cette analyse lucide et claire de la part de Sébastien Chéré. Peut-être faire un petit point sur le classement, puis après on se retrouve pour l'homme du match. Oui, effectivement, des mots très forts en tout cas hein, de la part de Sébastien Chéré, presque ému. Le classement, donc vous venez de voir les résultats de cette 21e journée de National. Alors en tête, hein, le PFC reste leader de cette journée, à l'issue de cette journée, quoi qu'il arrive demain d'ailleurs, hein, face au Red Star. Bourg est deuxième avec 37 points, 3 points d'avance sur Boulogne. Et le Red Star demain, s'il s'impose face au PFC justement dans le derby francilien, eh bien pourrait monter sur le podium et prendre la place de Boulogne. Strasbourg est maintenant cinquième. Ils n'ont plus que 3 points de retard sur les Boulonnais. Dunkerque est sixième. Avranches est juste derrière avec Luçon et Chambly. Alors Luçon qui n'a pas joué, donc hein, son match face à Fréjus a été reporté. Et dans la deuxième partie de tableau, eh bien attention, Marseille Consola n'est plus relégable puisqu'ils se sont imposés, les Marseillais, aujourd'hui. Le Poiré Survie est 14e, Colomé, Le Serre Bastia, Istres et Épinal sont donc dans la zone rouge, Laurent. Oui, et donc c'est venu le temps de notre fameuse séquence homme du match. Samuel Lobé ce soir a choisi Dimitri Liénard. Messieurs, c'est à vous. Bon ben Dimitri, félicitations pour ton match. Merci. Je sais que c'est ton anniversaire, je t'ai pas choisi homme du match seulement pour ça. Je sais que ton papa regarde aussi, donc je tiens à te féliciter pour ton match. Moi, je t'avais vu jouer déjà à Chambly, où je t'avais trouvé très bon avec ton pied gauche, très lucide. Et maintenant, je te vois marquer. Donc, félicitations. Et raconte-nous un peu ton coup franc. Voilà, je suis à 20 mètres, 15 mètres, 16 mètres sur le côté. J'ai voulu frapper fort dans le but. J'en avais déjà mis auparavant des comme ça avec mes anciens clubs. J'avais pas encore marqué avec Mulhouse, avec Strasbourg sur coup de pied arrêté. Ça me tenait à cœur vraiment de enfin pouvoir marqué sur coup de pied arrêté parce que je sais que ça fait partie de mon bagage, les coups de pied arrêté, et voilà, je suis fier et je le dédie à mon papa qui était devant la télé et franchement c'est énorme ce public, ça me rappelle des souvenirs quand moi j'allais dans les tribunes et faire la hola, je vois ce public qui fait la hola, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ça me marquera toute ma vie et je vous dis, je raconterai ça à mes enfants, il n'y a aucun souci. Et je voulais demander sur ton coup franc, est-ce que tu as vu que le gardien était un peu axe, premier poteau pour tenter ce coup-là? Ouais, j'aimais bien, je vous dis, j'ai déjà mis le même type de coup franc, exactement le même, avec Mulhouse, avec Belfort aussi. Quand ils sont comme ça, j'aime bien rouler fort au deuxième parce que les gardiens, ils peuvent pas quasiment, je les fais redescendre. Voilà, après, je vais pas vous dire que je voulais la mettre exactement là, mais je suis fier de notre prestation déjà avant tout ce soir et je suis content pour tout ce public et enfin, j'ai gagné un derby. Bon, vous êtes relancé dans la course à la montée. Il va falloir faire preuve de constance maintenant pour aller chercher une des trois premières places. Oui, voilà. Bien sûr, c'est un grand tour qui nous attend. Ça fait deux étapes qu'on passe avec la manière. Maintenant, on sait que c'est pas ces matchs-là qui vont être les plus difficiles. C'est contre les équipes un peu de bas de classement où c'est qu'on n'est pas régulier. Donc, il va vraiment falloir qu'on soit constant, lucide et vraiment régulier. Et je pense qu'on a quelque chose à faire si on... C'est que nous, c'est personne d'autre. Merci beaucoup, Dimitri. Temps pour nous maintenant de retrouver les meilleurs moments de cette rencontre. Victoire 3-1. Nicolas Villas, je te laisse raconter tous ces buts et raconter les différents événements de cette soirée. Oui, on va se faire un petit plaisir. On va refaire plaisir au papa Dimitri Liénard et revoir son but, mais aussi ceux des autres. Hein, parce qu'il n'y a pas que Dimitri Liénard qui a marqué dans ce match avec Abdallah Ndour et ce ballon perdu. Hein, on réclamait une main du côté des Strasbourgeois et un contre qui va venir pour Colmar. On est à la demi-heure de jeu. Et Milovan Sikimic qui va rater son intervention. C'est Diawara qui était face à lui. Le 1-2 avec Mtir. Et Diawara qui va aller battre Alexandre Okidja et marquer le premier but de ce match. C'est l'une des premières vraies opportunités de la rencontre pour les SRC. Qui prennent donc l'avantage après une demi-heure de jeu. Et Diawara qui marque là son deuxième but cette saison avec Colmar. Lui qui avait déjà marqué avec Chambly. La réponse strasbourgeoise
Elle va intervenir juste avant la pause avec ce coup franc et cette tête de Alassane Diaye. Et c'est RL hein, qui dévisse ballon de l'épaule et qui marque contre son camp. Et ça fait donc un but partout. Et coup franc bien frappé encore. Hein. Et un partout à la mi-temps donc entre les deux équipes et coup franc. Vous avez dit coup franc. Dimitri Liénard, 27 ans ce soir et qui marque ce coup franc direct. Superbe réalisation de Dimitri Liénard. Troisième but cette saison en championnat, lui qui en avait mis trois également en Coupe de France. L'ancien joueur de Mulhouse. Et Strasbourg qui va bien enfoncer le clou avec cette frappe puissante d'Alassane Diaye et Federigo qui s'écrase un petit peu, qui se rate un petit peu. Et ça fait donc 3 buts à 1 pour le Racing face au SRC. Et victoire donc pour Strasbourg qui, vous l'avez vu, eh bien, revient maintenant pas loin des équipes de tête. Hein. Allez, le programme peut-être de la prochaine journée justement. On vous rappelle que demain, n'oubliez pas, il y a le match entre le Red Star et le Paris Football Club. Le derby francilien, match du haut de tableau. Et lors de la prochaine journée, vous pourrez suivre sur ma chaîne Sport à 20h30 vendredi le match entre Boulogne et le Red Star. Et puis il y aura également un match entre Bourg et le Paris. Strasbourg sera à Marseille pour jouer face à Marseille Consola. Merci Laurent Dupuis, merci Samuel Lobé, merci à toutes et à tous. On a assisté à un super match. Eh ouais, effectivement un très bon match. Merci aussi à toi Nicolas Villas. Samuel, un bon match. Ce sera le mot de la fin parce qu'on rentre dans l'hôtel un petit peu rapidement. Impeccable. Mais voilà, on a vu des buts, on a vu du spectacle. Merci à tous. Rendez-vous demain dès 14h30 pour le match entre le Red Star et le PFC. Et puis nous, on part du foot direction Louvrol dans le Nord pour un championnat de France de Karim Achour. Merci encore à toutes les équipes ce soir dirigées par Raphaël Gaborio. Ciao.